Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, je suis ravi de vous retrouver dans cette deuxième partie de le CG Challenge. Donc, je rappelle que c'est un challenge, donc ça veut dire qu'on va prendre tout notre temps pour bien fixer les idées. Ce n'est pas un atelier normal où on fait les choses assez rapidement. Un challenge, ça veut dire c'est un truc qui dure dans le temps, une fois par an, mais pour bien fixer les idées, encore une fois, pour vaincre cette phobie que vous avez tous contre le CG. Et je pense que c'est une phobie qui commence, j'espère, à disparaître. Et je vous assure qu'il va disparaître complètement aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aussi pu réviser les notions que nous avons vues tous hier. Nous allons garder les mêmes rythmes d'hier pour répondre aux exigences de l'hétérogénéité du public cible. C'est une bonne chose pour tout le monde. Est-ce que vous avez tout noté hier déjà sur vos bloc-notes, vos papiers? Je vais vous demander, comme hier, de couper vos micros. Je vais demander à un volontaire parmi vous s'il veut bien présenter. Alors, déjà, les micros, خلاص انا vous ما pouvez نقدرش les arranger. الوقت مش حابسه بالشيء يلا غير بعديا هز الميكرو دي خلاص مني Très bien. Alors, qui peut se. Abdo, c'est toi. Donc, je vais te chercher parmi Abdo. Alors, Abdo, tu es où? Abdo, tu es là. C'est bon, Abdo? Donc, tu es co-animateur. Tu vas te charger de ça. Hier, comme j'ai réfléchi, je pense qu'il va y avoir pas une deuxième partie, mais aussi trois parties. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va voir l'interprétation en détail. Ça va nous prendre 2 heures et demie, environ 3 heures. Et demain, inchallah, ça va être une première par rapport aux ateliers, les challenges des années dernières. C'est qu'on va rentrer dans le monde de la télésimulation. On va proposer des scénarios avec des logiciels précis, où vous allez voir principalement le rôle de l'ECG dans certaines pathologies. Donc, je vous donne aussi, notez-le bien, demain. Alors, demain, ça va être vers... alors, 2 secondes, 2 secondes. Je vérifie juste mon agenda. Donc, nous serons demain le 11 octobre. Donc, on va le faire à 19h. C'est bon, ça sera la dernière partie. Et demain, c'est juste 2 heures maximum. Et je pense demain, c'est la partie, c'est l'apothéose de tout ce challenge. Donc, ce challenge, on l'aura fait en 8 heures. Et 8 heures que je pense va vous changer la vie. Enfin, j'espère. 7 heures du soir, quand même. D'accord? J'insiste que vous assistez demain, parce que demain, vraiment, ça va être la pratique. On va pratiquer. Je sais que vous avez beaucoup appris, je sais que vous allez apprendre, mais demain, on va vraiment pratiquer. Et vous allez voir que c'est très, très intéressant. C'est un truc que nous n'avons pas fait l'année dernière. D'accord? Très bien. Donc, ça va être 19h, heure marocaine. Pour les non-marocains, au Maroc, nous sommes à GMT plus 1. Donc 19h, ça revient à dire 18h GMT. Et c'est à vous d'adapter en fonction de vos horaires locaux. Donc, je répète, 18h GMT. Au Maroc, nous sommes GMT plus 1, donc c'est 19h. OK, bien évidemment, ça va être enregistré, mais le mieux, c'est d'y assister. On commence? Vous êtes prêts? Oui. Abdo, fais rentrer les gens. Abdo. Oui, tu le fais, mais je vois toujours devant moi des personnes qui attendent.
Il faut le faire en live avec tout. Donc, je reprends ma tablette et on va commencer. Vous êtes prêts? Comme hier, concentration totale, pas de parasitage, une bouteille d'eau à côté de vous, de quoi noter. C'est bon? Allez. On va faire une révision rapide de 5 à 10 minutes maximum. Donc, rappelez-moi les principaux territoires du cœur, allez-y. Les principaux territoires du cœur. Les principaux. Il y a l'inférieur, l'antérieur et latéral. L'inférieur, l'antérieur et latéral. Rappelez-moi les dérivations de l'inférieur. D2, D3, AVF. Rappelez-moi les dérivations de l'antérieur. Allez, les amis. Les dérivations de l'antérieur. Bravo. Et en fait, on va le diviser. En antéro-septal, ça va être le V1, V2. Et l'antéro-apical, ça va être le V3, V4. Rappelez-moi les dérivations du latéral. Alors, le bas, c'est V5, V6. Le haut, c'est D1 et AV. Amen. Pour la conduction, ça commence où? Coupez vos micros, s'il vous plaît. C'est le nœud sinusal. Ensuite, le nœud auriculo-ventriculaire. D'accord. Ensuite, c'est le faisceau de His. Ensuite, les branches droite et gauche. Et ensuite, pour la branche gauche, les hémibranches. D'accord? Rappelez-moi les ostium coronaires qui donnent quoi? Les deux artères coronaires. Allez, nous avons combien? Donc, la coronaire droite qui va partir principalement vasculariser quel territoire? D'accord. Et le tronc commun, il va donner deux artères. Lesquelles? L'IVA qui part principalement vasculariser quel territoire? Très bien, bravo à l'écran. Bravo pour tous, pardon. Et la CX qui va partir vasculariser, elle, le côté latéral. Ça marche? Vous allez me rappeler maintenant les différentes phases du potentiel d'action. Alors, ça commence par quoi? La phase 0, c'est quoi? La phase 0, c'est la déporisation rapide. Il est dû à quoi? Il est dû à l'entrée massive du sodium. Ensuite, la deuxième phase, une première reposition, la reposition lente. Elle est due à quoi? Elle est due à la sortie du potassium. D'accord? Très, très bien. Quand le potassium sort, la cellule déteste, qu'est-ce qu'elle fait pour contrebalancer?
Que fait la cellule? Elle fait entrer le calcium pour garder l'équilibre. D'où la troisième phase, c'est la phase de plateau. Ensuite, la sortie du potassium, c'est la phase 3. Et ça, l'équilibre électrique a été atteint, mais il faut rétablir l'équilibre ionique. C'est grâce à quoi? À la fin. À la phase 4. D'accord? Pendant cette période-là, regarde. Pendant cette période-là, il y a le potassium qui sort et le calcium qui rentre. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un. Il y a quoi? Il y a un équilibre. D'accord, il y a un équilibre. Donc, impossible qu'il y aurait une variation des charges électriques de part et d'autre. Ça veut dire que c'est impossible que la cellule se fait quoi? Impossible que la cellule se repolarise. Il ne peut pas changer, il reste comme ça. C'est pour cette raison qu'on nous appelons quoi cette phase? Comment on appelle cette phase? C'est la phase réfractaire absolue. Impossible. Pourquoi? Parce que le potassium rentre et le calcium sort, donc il y a l'équilibre total. Et subhanallah, c'est-à-dire, c'est des choses, on dit pour les normaux, quand on dit que la nature fait bien les choses, cette phase-là correspond exactement à quoi? Donc, à quelle phase du cycle cardiaque, particulièrement le plateau? Oui, le segment. Non, non, la phase 2, c'est plus le segment ST. D'accord? C'est très important. Alors, la phase réfractaire absolue, regardez, elle comporte la 1, la 2 et les débuts du 3. Pendant la phase 3, est-ce que la cellule peut être stimulée? Est-ce qu'il peut revenir à la charge supérieure? C'est possible. Mais le problème, c'est quoi? Parce qu'elle est dans la descente. Pour qu'il revienne en haut, il faut quoi? D'une façon générale, il faut un stimulus qui est très intense. Ici, parce qu'on revient en arrière, mais je peux reprendre, mais il faut vraiment un stimulus très très intense. C'est pour cette raison que nous l'appelons, que nous l'appelons comment? Phase réfractaire relative. Le grand souci, c'est quoi? C'est quand un stimulus arrive ça sur une cellule qui n'est pas complètement repolarisée, ça peut créer des catastrophes. Ça peut partir en du trouble de rythme grave. Sur le CG, ça correspond à quelle phase? Au pic de l'onde T. On verra tout à l'heure, vers la dernière phase de l'atelier d'aujourd'hui, que certains troubles de rythme, lorsqu'ils arrivent sur l'onde T, ce n'est pas bon. On verra tout de suite même. C'est bon? Dernière partie de la révision, vous me rappelez les 3, 2 et 1. Alors, 3 quoi? Trois ondes. D'abord, c'est l'onde de P, QRS et le T. D'accord? De quoi? De quoi? Espace. C'est quoi ces espaces? Espace PR, espace QT. Et un segment lequel? C'est le segment ST. Avec ce point-là, lequel? C'est le point G. Très bien. Dernière chose, il y a aussi la notion du segment PR qui va nous servir en quoi?
Segment PR. Non, je n'ai pas dit espace. Regardez bien. Je n'ai pas dit espace. J'ai dit segment PR. Segment PR, il ne rentre pas dans l'interprétation, mais c'est un élément très important. Exactement. Bravo. C'est la référence de la ligne isoélectrique. C'est clair? Ben, je suis ravi. Vraiment, je pense que toutes les notions sont passées. Vous avez bien révisé et ça fait plaisir. Et ça nous donne envie pour continuer le reste. Bravo. Maintenant, on va partir en vue du sujet, l'interprétation. La première étape, c'est quoi? C'est-à-dire, avant, je prends le papier. La première des choses à faire, c'est quoi? Avant la validité. D'abord, l'identité. Avant même la validité. L'identité, la date, et surtout l'heure aussi, bravo. Et surtout, avant même que je prenne à interpréter. Avant même ça. C'est la clinique, bravo. Ça, c'est les mots-clés. D'abord, il faut toujours, je demande un anesthésiste en fonction d'une clinique. Je ne demande pas un anesthésiste comme ça. Il faut toujours le comparer par rapport à une clinique. Je vérifie le nom, prénom. Est-ce que c'est le bon anesthésiste pour le bon patient? La date, très important, et l'heure. D'accord? D'accord. Non, oh mais il va sortir et j'ai répondu à cette question hier. Ensuite, je vais avancer à l'ECG. La première étape, c'est quoi? Je vérifie est-ce qu'elle est valide. D'accord. Avant que je prenne une voiture, je vérifie si elle marche bien. Je fais tout. L'état des pneus. Oui, l'essence, c'est la même chose. Avant d'utiliser un ECG, il faut qu'il soit valide. C'est la première étape. Ensuite, une fois c'est valide, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de voir d'une façon générale ce qui se passe sur le tracé. D'une façon très générale. D'accord? Quand je dis une interprétation générale, ça veut dire quoi? Ce sont des choses que je vais pouvoir voir sur. Non, restez sur le raisonnement, on va détailler. On va détailler. Maintenant, j'ai juste les trois étapes. Le général, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des choses que je peux voir, par exemple, sur une seule dérivation. Peuvent pas changer d'une dérivation à l'autre. Vous savez que le CG, quand il est enregistré, toutes les dérivations, ils sont enregistrés en même moment. C'est juste dans l'impression qu'ils sortent décalés. Mais les événements électriques, ils sont enregistrés au même moment. Ça marche? Quelles sont les choses qui ne peuvent pas changer entre les dérivations? Allez. Quelles sont les choses qui ne peuvent pas changer entre les dérivations? Le rythme, très bien. La fréquence cardiaque, bravo. Quoi d'autre? L'axe aussi, régulier ou pas. Est-ce que vous avez compris c'est quoi général finalement? Ce sont des choses qui ne peuvent pas changer entre les dérivations. Je ne peux pas avoir, par exemple, une fréquence cardiaque sur V2 à 60 et sur V5 à 90. Ça n'existera jamais. Est-ce que c'est clair? L'interprétation générale concerne des choses qui ne changent pas entre les différentes dérivations. Donc, on va utiliser une fois maximum de dérivation pour l'interpréter. C'est clair? Après cette étape, troisième étape, c'est quoi? On va vraiment analyser le sujet dans sa totalité, avec les finesses, onde par onde, espace par espace. C'est ce que nous appelons l'interprétation spécifique, bien sûr.
C'est ce que je dis tout le temps, le fameux VGS. Écrivez chez vous le VGS comme ça. Le VGS. Écueil fluorescent, la technique du VGS. Donc, validité générale spécifique. Validité générale spécifique, c'est ce qu'on va détailler pendant cette matinée. C'est clair pour VGS? C'est clair? VGS, validité générale spécifique. Allez, on va commencer par la validité. Je vais tourner ma tablette maintenant. Alors, le premier critère de validité, c'est quoi? On va parler maintenant de validité. Validité. Allez-y. Le premier critère, bien évidemment, c'est là. Allez-y, comme vous l'avez écrit, là. Vitesse, très très bien. Premier critère, c'est la vitesse. La vitesse, d'accord? Alors, la vitesse de quoi, justement? C'est la vitesse avec laquelle le papier il sort de l'appareil. Quand le papier sort de l'appareil ECG, il sort avec une vitesse constante. Il ne sort pas comme ça. C'est vraiment avec une vitesse constante. Cette vitesse, elle est égale à quoi, justement? On appelle la vitesse de déroulement du papier. Vous le notez, c'est 25 mm par seconde. Donc, 25 mm par seconde du papier est égal. 25 mm du papier, c'est une seconde. Vous notez chez vous, 25 mm du papier, c'est une seconde. Donc, on est dans la largeur. 25 mm du papier, c'est une seconde. Ça revient à dire quoi? Alors, on va faire un peu de maths. 5 mm du papier, c'est combien? 5 mm du papier, c'est combien? Allez, soyez interactifs. C'est 0,20 secondes. C'est 0,20 secondes. D'accord? On va encore détailler. 1 millimètre du papier, c'est combien en secondes? C'est 0,04 secondes. D'accord? Pourquoi je vous parle de ça, les 5 et 1 millimètre? Parce qu'en matière de CG, nous parlons de quoi? Du grand et de petit carreau. On va considérer que cette ligne-là, c'est 1 mm. D'accord? Ça, c'est 1 mm. OK? Alors, regardez, le grand carreau, c'est combien? C'est ça, c'est 5 mm. Le grand carreau, c'est 5 mm de chaque côté. C'est bon? Alors, notez-le. Donc, ça, c'est un grand carreau. Alors, ici, on a combien de temps? Combien de temps ici? Très bien, bravo. C'est 0,2 secondes. Ça marche? Le petit carreau, c'est quoi? C'est au milieu. Alors, je vais le dessiner juste à côté.
C'est combien de côtés? C'est combien de temps? 0,04. Donc ça, c'est le grand carreau. Ça, c'est le petit carreau. OK. Alors écoutez, dites-moi, 3 grands carreaux plus 4 petits carreaux, c'est combien de temps? Trois grands carreaux plus quatre petits carreaux, c'est combien de temps? Zéro soixante-seize, zéro soixante-douze, c'est plutôt 0,76. Très très bien. Trois petits carreaux, c'est combien? Trois petits carreaux, c'est combien? C'est 0,12. Cinq petits carreaux, c'est combien? C'est 0,20. On va voir tout à l'heure que ça correspond à quelle durée? Entre 3 et 5 petits carreaux, c'est par exemple l'espace PR. Vous allez apprendre avec le temps à travailler avec les petits et les grands carreaux. Supposons quelqu'un s'est trompé et au lieu qu'il mette une vitesse à 25, il a mis 50. Qu'est-ce qui va se passer sur le tracé? Comment va être le tracé? C'est-à-dire la même seconde, mais il dure, et sur le papier, c'est 50 mm. Le tracé va être comment? Plus ample ou plus élargi? Être plus élargi. Très bien. Donc, on aura l'impression de quoi? Alors, déjà, on va avoir l'impression d'avoir une bradycardie. Mais ça, à la limite, il peut nous prêter à confusion parce que le patient, il peut être à la base à 120 fréquences cardiaques et en multipliant la vitesse, on aura l'impression que sa fréquence cardiaque est à 60, ce qui est anormalement normal. Par contre, ce qui est dangereux, c'est que les QRS vont aussi être élargis. Et on peut conclure à tort à quoi? Quand le QRS est élargi, on va conclure à tort à quoi? Un bloc de branches. D'accord? Donc faites attention à bien regarder la vitesse. On verra tout à l'heure quelques heures. C'est bon pour le premier critère? Oui, c'est conventionnel. C'est bon pour le premier critère? La vitesse. On est toujours dans la validité. Le deuxième critère, lequel, les amis? C'est le voltage. Alors, quel est le voltage conventionnel, justement? À combien? Dis quoi, Houda? Allez, dis. Le voltage conventionnel, c'est que pour 10 mm de hauteur du papier, c'est 1 millivolt. D'accord? Ça veut dire quoi? Un millimètre du papier en hauteur est égal à combien? C'est 0,1 millivolt. Alors faites attention, regardez. Trois grands carreaux plus quatre petits carreaux en voltage, c'est combien? Trois grands carreaux plus quatre petits carreaux en voltage, c'est combien? Ça, c'est la glissade collective. Ouais, là, c'est de bonnes réponses. Très bien, c'est plutôt 1,9. Pourquoi? Je reviens à mon carreau de tout à l'heure.
Je sais pas où je l'ai mis. Voilà, elle est là. En fait, la hauteur d'un grand carreau, c'est combien? Rappelez-vous. C'est 5. Donc, pour avoir 1 millivolt, il me faut combien de grands carreaux? Deux grands carreaux. Vous avez compris l'erreur dans laquelle certains sont tombés. Mais c'est pas grave. C'est bon. Donc, un troisième exercice. Allez, 5 grands carreaux plus 2 petits carreaux, c'est combien de voltage? Très bien, c'est 2,6, c'est exactement ça. OK. Vous avez un patient qui a une onde de R. Il a une onde de R en V5. Il a une onde R qui équivaut à 4 grands carreaux plus 2 petits carreaux. Et ce patient, le même, il a une onde de S en V1. Il comporte 3 grands carreaux plus 3 petits carreaux. Quelle est la totale de ces deux-là en termes de voltage? Allez. Faites la somme. J'ai fait la somme. Ça nous fait combien? Ça nous fait 4, 40 mm. C'est 4 millivolts. OK. On verra tout à l'heure, vers la fin de l'atelier, que ce patient, par exemple, il a une HVG. Juste pas le calculer encore. Et on verra tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer pourquoi on travaille avec les grands et les petits cas. Supposons maintenant que quelqu'un s'est trompé sur l'appareil et au lieu qu'il mette 10 mm par millivolt, il a mis 5 mm par 1. C'est-à-dire 1 millivolt, 5 mm. Le tracé va être comment? Il faut réfléchir quand même. C'est le même voltage, 5 mm. Est-ce que le voltage va changer du cœur? Est-ce que le voltage change du cœur? Non. Qu'est-ce qui va changer? C'est la façon avec laquelle nous avons enregistré. C'est nous qui avons donné un petit millimétrage pour le même voltage. Donc, on aura l'impression d'avoir quoi justement? Un micro-voltage. On peut conclure à tort à quoi? Un épanchement pérical. Juste entre parenthèses, la tamponade, c'est clinique. Donc, on ne dit pas tamponade sur le C. On dit épanchement pérical. Juste entre parenthèses. La tamponade, c'est clinique. Ça marche? Donc, quel était le premier critère? La vitesse. Le deuxième, le voltage. On va passer au troisième. Le troisième, c'est quoi? Ça va être tout ce qui est parasitage, c'est-à-dire un tracé qui n'est pas joli. Il y a beaucoup de parasitage. Marche? C'est un tracé qui n'est pas joli, qui est parasité, ça, c'est pas bon. Mais j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer vers la fin de ce chapitre. Alors, quelles seraient les origines du parasitage? Allez. Là, les poils, bien sûr, quand il y a beaucoup de poils sur la poitrine, il faut les raser, bien sûr, il faut dégraisser par de l'alcool, mais ce n'est pas ça. Voilà, le patient agité, oui. D'une façon générale, c'est le patient qui frissonne, qui bouge, qui tremble. D'accord? Ce parasitage-là, il est dû à quoi? C'est l'interférence de quoi?
C'est des muscles. Très, très bien. Donc, le premier parasitage, on va l'appeler parasitage comment? Musculaire, bravo. Donc, pour l'éviter, il faut savoir garder une bonne température de la salle, rassurer le patient, le mettre en confiance. C'est très important. Pour le parkinsonien, bien sûr, ça c'est juste entre parenthèses, même si tu essaies de les rassurer, tout, ce n'est pas possible, ils commencent à trembler. Ce qu'on fait chez les parkinsoniens, c'est une dérivation spéciale. Au lieu de mettre les bracelets dans l'extrémité des mains, on les met à la racine des mains. Et dans ce cas, on utilise des patchs, pas des bracelets. C'est une technique spéciale. Le deuxième type de parasitage, alors c'est tout ce qui concerne l'électrostatisme qui nous entoure. Plein de choses. Les fils d'électricité qui passent dans le mur, le métal, les téléphones, plein, plein, plein de choses. C'est tout ce qui nous entoure comme électrostatisme. Donc, on peut l'appeler bien sûr sectoriel, c'est-à-dire c'est le secteur qui nous entoure. Alors, pour les personnes parmi vous qui ont des cabinets médicaux, ça serait bien que quand vous utilisez votre table d'examen, qu'elle ne soit pas collée au mur. Il ne faut pas la mettre complètement contre le mur. Il faut qu'elle soit au mieux au milieu. Il n'y a pas de problème. Donc, évitez qu'elle reste collée. Demandez aux patients de retirer tout ce qui est métallique, téléphone, que ses pieds ne soient pas en contact avec du métal. C'est très important. Que les fils, bien sûr, ne doivent pas être trop tendus, qu'ils ne doivent pas se chevaucher. Donc, il faut vraiment que cette CG-là doit être dans des conditions très, très claires. La bonne nouvelle, c'est que les nouveaux appareils maintenant, ils ont quoi? Il faut quoi? Donc, ils ont un antiparasitage intégré, normalement, dans les nouveaux appareils. Donc, normalement, presque, on ne parle plus de ce problème avec les nouveaux appareils. D'accord? Ça marche? OK. Le mieux, c'est d'utiliser du gel spécial, mouillé ou pas. Mouillé, vous n'êtes pas sûr que ça va dégraisser et en plus, ça va user vos ventouses. Donc, il y a des attitudes qui sont un peu bizarres. Le mieux, c'est d'utiliser. Alors, si c'est les ventouses, il faut utiliser le gel spécial. Le mieux maintenant, c'est d'utiliser les patchs directement, mieux que les ventouses. Parce que les ventouses, elles s'abîment et on perd la poire, la petite poire, et ce n'est pas évident de les retrouver pendant une garde. Le mieux, c'est d'utiliser des ECG avec des patchs. C'est la tendance actuelle. Il nous reste maintenant. Alors, on a vu quoi comme critère de validité, les amis? Rappelez-le-moi. Vitesse, voltage, parasitage. Très bien. On a vu vitesse, voltage, parasitage. Il nous reste maintenant à voir le dernier critère, c'est-à-dire il faut que les fils ne soient pas inversés. Fils non inversés. Faites attention, il ne faut pas que les fils soient inversés. S'ils sont inversés, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, non, ça va se répercuter sur quoi? Et alors, AVR positif, alors? Ça va se répercuter sur les axes particulièrement. D'accord? Ça va se répercuter sur d'autres choses qu'on verra tout à l'heure. Alors, bien évidemment, vous comprenez qu'il y a deux types de dérivations. Rappelez-moi, il y a les dérivations qui sont dans les implants. Rappelez-moi les deux dérivations que nous avons vues, frontales. Il y a des dérivations qui sont dans un plan horizontal. Donc, frontal, horizontal. Donc, on peut inverser quoi, en fait? On peut inverser les dérivations frontales entre elles.
Et on peut inverser l'équation horizontale entre elles. Est-ce que vous avez compris? Les bracelets, je peux les inverser entre elles. Par exemple, je mets le rouge, voilà, à gauche et le jaune à droite et vice-versa. Et les filles, je peux mettre par exemple la V5 à la place de V2, etc. C'est clair? Donc, il faut qu'on soit capable de détecter l'inversion des fils dans ces deux dérivations. C'est clair? Donc, il ne faut pas chercher que dans les dérivations précordiales horizontales, mais aussi les frontales. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Parlons maintenant de l'inversion des fils dans les dérivations frontales. Quels sont les deux signes qu'on va chercher? Il faut que les complexes soient toujours c'est-à-dire, parlons de phi non inversé, Amine. Allez. En général, les complexes en AVR sont négatifs. Rappelez-moi pourquoi, si vous avez bien compris hier. Rappelez-moi pourquoi. Très bien, ça fuit. Bravo. Oh, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Très bien. Deuxième critère. Deuxième critère. Alors, rappelez-vous que l'onde P, il doit être toujours positif en D1. Juste ça. Après, vous pouvez aussi rajouter D2 et V6. Mais j'insiste sur ça. D'accord? Donc, les deux critères principaux, c'est ça. C'est bon? La VR tendance négative, le P toujours positif en D1 et aussi en D2V. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va passer à quoi? À la détection des quoi? De l'inversion des fils dans quelle dérivation? Précordiale ou horizontale, la même chose. On peut dire précordiale ou horizontale. Remarquez, jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de V1 jusqu'à quoi? V6, d'accord? Vous vous rappelez qu'au départ, je vous ai dit qu'il vaut mieux maintenant partir à un ECG qui dépasse les 12 dérivations. Okay? Je n'ai pas oublié la chose, comme je vous ai prévenu, on va en parler tout à l'heure. Mais restons de V1 à V6. On va faire attention à la progression de quoi? Particulièrement. Alors, on est dans l'ECG critique de l'urgence. Si vous voulez vraiment la science, on fait attention à la progression du R et du S, mais dans la rapidité des choses, je peux me contenter que du R. En fait, le R, il progresse, il progresse, il progresse, et après, il descend, il descend, il descend. Le plus important, il faut qu'il y ait une progression qui est harmonieuse. Donc, je vais chercher la progression de l'onde R. Vous notez chez vous, j'exige une progression harmonieuse. De l'onde R. C'est bon? Ça marche? À la fin, Amine, à la fin. C'est bon? Alors, regarde, notez comme moi. Notez comme moi, V1. Faites comme moi. V2. V3. V4. V5. V6. Seulement, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas qu'elle monte et elle descende sur le CG. Juste suis-moi. Suivez-moi, vous allez tout comprendre. Est-ce que vous avez noté comme ça, comme moi? Le R en général en V1, parce que l'axe du.
Vous rappelez du V1? Vous rappelez l'été où? L'été où le V1? Rappelez-moi. L'emplacement du V1. C'est l'espace intercostal droit. D'accord? Et vous avez le vecteur qui passe comme ça. Donc, à votre avis, le R, il va être ample ou petit en V1? Ça commence à fuir un peu. Il va être petit. Quand est-ce que le R va être ample en V1 si le cœur est comme ça? Vous avez compris? Mais pour un cœur normal, le R, il est comment au départ? Parce qu'il fuit le V1, il est ici. Le cœur, il part comme ça. Donc, il a juste le temps, ce passager-là, il voit rapidement le train partir. Vous vous rappelez du train, du quai? Vous avez compris maintenant pourquoi le R est petit en V1. Donc, le R, il va juste comme ça. Ensuite, en V2, il grandit. En V3, il grandit encore. En V4. Le V4, vous rappelez? Elle était où le V4? Dans quelle position? C'est le cinquième espace intercostal gauche sur la ligne médio-claviculaire. Donc, il est ici, devant, à l'apex. Donc, le vecteur du cœur, lorsqu'il est normal, il s'oriente complètement vers le vecteur du cœur. Il s'oriente complètement vers lui. D'accord? Donc, théoriquement, le R, il va être ample dans quelle dérivation en général? Ça va se jouer entre quoi et quoi? Le vecteur du cœur, il part vers l'apex. S'il est normal, je vous dis bien s'il est normal. Quelles sont les dérivations qui explorent l'apex? Rappelez-moi. V3 et V4. Normalement, quelqu'un qui est normal, le R, il va atteindre son sommet où? Soit entre, voilà, entre V3 et V4. Très bien. À partir de V4, il y a aussi les dérivations, il s'enfuit. Il va commencer à faire quoi? Le R. Hein? À diminuer. À diminuer. D'accord? Travaillez avec les calques que je vous ai donnés hier et vous allez tout comprendre. Mettez un vecteur principal et regardez. Plus le vecteur se dirige vers une caméra, plus l'amplitude sera grande. Est-ce que c'est clair? C'est pour cette raison qu'on a insisté hier sur les rappels anatomiques. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris pourquoi les amplitudes de R est plutôt max entre V3 et V4? Exactement. C'est une très bonne question. On va y arriver. Alors, je réponds déjà à on. Si vous voyez que le R est plutôt max en V1, V2, vous allez déjà se dire que probablement, quoi? Le R est déjà max en V1, V2. Probablement, le cœur est juste de vue. On n'est pas encore entré dans le détail. Probablement, le cœur divise à droite. Si vous trouvez que le R n'atteint son sommet qu'en V5, V6, il est resté à monter jusqu'à V5. V. Vous vous dites peut-être que le cœur est dévié à gauche. Vous avez compris? Encore une fois, ça se joue juste sur les rappels anatomo-cliniques. Si vous n'avez pas assisté hier, je vous vraiment supplie de le revoir sur YouTube. C'est une très très bonne chose. Alors regarde, on va dessiner la montagne chez ce patient. Il sera comment cette montagne? Elle a combien de sommets cette montagne? Elle a un seul sommet. D'accord? Alors regarde ce qu'on va faire maintenant.
On va faire exprès d'inverser les électrodes. Par exemple, je vais inverser la V2 et la V5. Regarde, je vais inverser la V2 et la V5. Ça va me donner quoi? Est-ce que le V1 va changer? Est-ce que le V1 va changer? Non, j'aurai pas deux sommets. J'aurai toujours un somme. N'apprenez pas par cœur. Nous sommes en train de réfléchir en live avec vous. Donc le V1, il ne va pas changer. Le V2, il va me donner l'enregistrement de quoi? De V5. Et le V5 qui volte 3 mm. Est-ce que le V3 va changer? Donc, lui aussi 3 mm. Est-ce que le V4 va changer? Le V5 va me donner quoi? L'enregistrement de V2, qui est à 2 mm. Est-ce que le V6 va changer? Non. Donc, j'aurai quoi? J'aurai toujours. J'aurai toujours un seul sommet, sauf que je ne sais pas pourquoi on parle de rabotage Mayel, alors là, c'est embêtant si on ne suit pas l'atelier. Est-ce que j'ai parlé de rabotage maintenant? Je n'ai même pas parlé de rabotage. Pourquoi vous faites sortir ça? Alors, sur le schéma, restez concentrés sur ce que je vous dis. Ça ne sert à rien d'avancer des choses quand on n'a même pas parlé. Est-ce que nous avons un seul sommet? Oui, sauf que la progression n'est pas harmonieuse. Il faut que ça monte et ça descende. Ça marche? Alors regardez ce qu'on va faire maintenant. Cette personne-là, il m'a inversé la V1 avec la V5. Alors, essayez de le dessiner chez vous avant que je le fasse. Inversion de V1 avec V5. Allez, je vous donne 30 secondes pour le faire. Dessinez la progression du R en inversant le V1 avec le V5. C'est bon, vous l'avez fait? Il y a une différence en termes de positionnement, mais en termes de qualité, non, il n'y a pas de différence. C'est fait? Allez, on corrige. Donc le V1, il va me donner quel tracé? Celui de V5. Le V2 ne change pas. Le V3 ne change pas. Le V4 ne change pas. Le V5, il va me donner celui du 1. Et le V6 ne change pas. Alors, combien de sommets vous avez trouvé? Combien de sommets? Il y a trois sommets. Il y a ça, ça et ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est bon les trois sommets, je vais vous dire. Est-ce que c'est bon les trois sommets? Non. Très bien. Dernier exemple, regarde. Là, c'est un vrai patient qui a ce tracé. Regarde. Pardon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'on peut être sûr que les fils sont inversés?
Est-ce qu'on peut être sûr que les fils sont inversés? On ne peut pas. Sauf que, bien évidemment, je vois très bien que, clairement, l'onde R ne pousse pas. Et le R, c'est l'indice d'un bon muscle, d'une bonne contraction. Ça veut dire quoi? Le muscle dans cette région-là, il est comment? Il ne donne pas de R. C'est-à-dire qu'il est cicatrisé. Il est fibreux. Et probablement, il a fait quoi, ce patient, avant? Mais qui n'a pas été bien traité, on va dire. Peut-être que c'est des séquelles d'une cardiopathie ischémique. Dans quel territoire, quelle était l'artère malade chez ce patient qui n'a pas été bien traité à temps? C'est l'IVA. C'est ce que justement nous appelons le rabotage. Une onde R qui ne pousse pas, il ne progresse pas. Ça, c'est d'accord. Un rabotage, il vous donne une idée sur les antécédents du patient, même si le patient vous dit par exemple qu'il ne souffre de rien. Probablement, il a fait une cardiopathie ischémique s'il s'en rend compte. Une ischémie douloureuse. C'est bon? Donc, avant de passer aux exercices, une toute dernière astuce. Rappelez-vous de ça. D'une façon générale, pour détecter l'inversion du fil, c'est une astuce. Rappelez-vous, le tracé en D1, il ressemble au tracé de V6. Je ne peux pas revenir aux notions d'IA. D'accord? Alors, le tracé de D1 ressemble en gros au tracé de V6. Rappelez-vous de ça. D'accord? Ça, juste de vue. Mais ça serait bien de toujours vérifier les quatre critères. Mettez ça en fluorescent, s'il vous plaît. En général, le tracé de D1 ressemble à celui du V6. Pourquoi, à votre avis, il devrait se ressembler? Pourquoi ils vont se ressembler? Allez, rappelez-vous de ces dires. Ils ont presque la même direction. Et bien évidemment, ils explorent le même territoire. D'accord? C'est quel territoire ils explorent tous les deux? Territoire latéral. Vous avez compris? Donc, juste. De première vue d'œil, prenez le CG, regardez est-ce que le D1 et V6 se ressemblent. Et ensuite, j'analyse les quatre critères. Rappelez-moi les quatre critères. Vitesse, voltage, parasitage. Inversion. C'est bon? Alors, ceux qui ont fait l'atelier la dernière savent très bien l'astuce. Ce sont les, comme vous d'ailleurs, c'est les very VIP. Vous êtes des very VIP. Vous, par exemple, qui assistez à cet atelier, un bon dimanche, on apprend bien. Vous êtes des very important personality, very, very important personality, OK? Alors le V, c'est pour vous rappeler quoi? Oui, ressemblant en général, la vitesse. OK? Le V, le deuxième V, voltage. Le I, inversion, et le P, parasitage. C'est clair? Donc, nous avons fini la validité et nous, on va tout de suite même passer aux exercices pour appliquer juste le VIP. Partager maintenant mon propre écran.
Donc, voici l'astuce, VIP. Alors, maintenant, ce que je voudrais, c'est un volontaire parmi vous active sa caméra, se présente, il va me dire le sujet qui arrive. Juste, il me dit ce qu'il est valide ou pas. Je ne veux pas d'interprétant, juste ce qu'il est valide. Allez, un volontaire. C'est facile, je vais être avec vous. Allez. Allez-y. Il y en a plein. C'est le moment ou jamais. Allez. Pour apprendre, il faut affronter les gens. Allez, un volontaire, activez la cam, active le micro et la cam. Je suis avec vous. Vous ne voulez pas? Un volontaire. On arrête l'atelier. Personne ne veut. Salam alaikum Oussed, salam alaikum Oussed, la caméra Alaykoum Oussed. salam. Alors vous êtes? Docteur Nakhli Docteur? Najet. Najet, vous êtes de quelle ville, Najet? Je travaille à l'hôpital de Barchid, service médecine. Enchanté, Najet. Est-ce que tu Merci. arrives à voir le partage? C'est écrit ex exercice. Exercice. Très bien. On passe au premier. Najet. Najet. Alors, s'il y a des personnes qui activent le micro, qu'ils le coupent, à part Najet. Je ne vois pas le ni vitesse ni voltage. Les amis, il faut désactiver vos micros, s'il vous plaît. Et lui, mon co-animateur qui ne met pas trop. Najat, tu es là? Oui, professeur. Najat, écoute. Oui. Regarde le CG, OK? Oui. Je vais, ce que je vais faire à Najat, c'est je vais l'agrandir. C'est Oui. bon? Oui, professeur. Là, c'est bon, Yak. Oui. Tu me dis, est-ce qu'il est valide ou pas? Et tu vas appliquer le vieux verbe. Allez, est-ce qu'il est valide? Commence. Najat Vitesse. parle à haute voix. Je suis en train de voir vitesse. Mais Vitesse. je n'ai pas l'étalonnage, professeur. Très, très bien. C'est une excellente remarque. Tu n'as pas la vitesse tu n'as pas la vitesse qui est inscrite, mais tu as une astuce. Tu vois là ce rapport, ce Oui, repère-là? sur le côté, oui, je vois. Tu vois ma souris, hein? Oui, Très professeur. bien. Ce repère-là, écoute, en Oui. hauteur, c'est 1 millivolt. 1 millivolt. Notez-les tous. Quand vous avez ce repère-là, c'est exprès. Parce que en hauteur, c'est 1 millivolt. Et en largeur, c'est 0,20 secondes. Donc, est-ce qu'on est bon? Oui. On est bon, très très bien. Donc, tu as ta vitesse, tu as ton voltage, c'est bon. Quel est le troisième critère à Najat? Le parasitage. Parasitage. Est-ce que tu penses que ce tracé est parasité? Non, non. Non, je ne vois pas de Je ne parasitage. vois pas de parasitage. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il te reste comme dernier élément, Najat? L'inversion. Alors, est-ce qu'elle est d'abord inversée dans le côté. D'abord, l'astuce. Pour voir l'inversion, je vais regarder AVR si elle est négative. Alors, est-ce que Et l'AVR est négative? oui. Tu penses? Oui, je pense. Oui, Tous les oui. complexes sont négatifs en AVR? Oui, professeur. Tu es sûr? Oui, il n'y a pas Tu beaucoup es sûr? de. Oui, je suis sûr, professeur. Alors, est-ce que le QRS est négatif en AVR? Il y a un petit R, Non, mais c'est ça l'AVR, c'est ça, on est bien d'accord. oui. Le QRS ici, il est comment? Il est négatif. Très bien. Et le P? Il est positif. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal Non. normalement. Tout, T'as vu? oui. On avait dit que tous les complets devraient être négatifs. Négatif. Probablement, il y a une Inversion. de temps plus un agent que si tu avais fait le test entre D1 et V6, est-ce qu'il se ressemble? Je vais regarder. Tu vois V6? Oui, Regarde ma je souris, comprends. regarde ma souris.
Oui, je suis en train de la voir. Oui. Est-ce que ça ressemble à V1? Non. À Non. T1, pas vraiment. Non, 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 pas vrai. Donc, qu'est-ce que tu fais par rapport à ce tracé Najat? Tu Il est, regardes. il y a une inversion des électrodes. Tu décides de faire quoi? Pardon? Tu décides de faire quoi après ce TCG? Tu trouves qu'il est inversé? Donc, je dois vérifier les électrodes où je les ai posées. Tout simplement, je le refais et je déchire Et je le celui-là. refais. Ça va? Ça marche? Ça marche. Ça fait, on fera donc attention au complexe, d'accord? Sur AVR, ça fait? Merci beaucoup et mes bonjours à l'hôpital de Belchid. Merci. Allez, un deuxième volontaire, allez. Vous avez vu, ça a été très facile. Allez, un deuxième volontaire, allez. Je vais compter jusqu'à 5. S'il n'y a pas de volontaire, on arrête. Oui, docteur. Oui, monsieur. Oui. C'est qui? Présentez-vous. C'est docteur Mefaman. Docteur? Docteur Mefaman. Qui est le stade de Bessalik? J'entends la voix très loin. C'est docteur Mefaman. Ma femme, ah, Hélène, Oui. Fatima? Qui est le stade de Bessalik? Bekhar. Comment tu Lachin vas? Walidine. Je vais Lachin parler en Walidine. français parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne D'accord, reprend oui. pas. D'accord. Merci Comment beaucoup, tu vas, professeur. Fatima? Oui. Alors, on avance vers le deuxième ECG? Oui, d'accord. Merci. Vas-y, tu me dis, Fatima, si cet ECG-là est valide. Juste le vérifier. Pardon. Oui. Je vais juste avancer au prochain. Attends, c'est toujours le même. Alors, je vais faire mal. Voilà. Comme ça, j'avance au prochain ECG. Alors, Fatima, tu vas me dire si cet ECG-là est valide. Donc, on va voir la vitesse et le voltage. Oui. Ils ne sont pas marqués, mais on doit vérifier sur le côté, l'étalonnage. Regardez, l'étalonnage, le repère là pour répondre aux questions, le Oui, oui, repère que vous avez, oui. toujours, toujours, sa hauteur c'est 1 millivolt. Et vous vérifiez, est-ce que ça correspond à 10 mm? Et sa largeur c'est 0,20 secondes. Vous vérifiez, est-ce que ça correspond à 5 mm? C'est bon? Oui, Vous ne l'avez pas oui. inscrit, vous vérifiez la hauteur. Oui. Là, on voit bien que ce repère là, on a bien dit 1 millivolt, donc ça équivaut à deux grands carreaux. Donc c'est bon. Oui, c'est bon, oui. En largeur, 0,20 secondes qui Oui, c'est correspond bon. à un grand carreau, c'est bon. Donc Donc, tu as c'est vérifié le voltage et la vitesse, ils sont le bien. voltage? Allez, vas-y. D'accord. On va le troisième critère, c'est le parasitage. Oui. On va avoir le segment PR. Il n'est pas Non. parasité. Je ne vois pas de parasitage. Il n'y a pas de D'accord? parasitage, oui. On Parasitage va. en général, c'est-à-dire c'est un tracé qui n'est pas joli, qui tremble. Oui. Oui. Est-ce que tu as les autres critères? Oui, on va voir l'inversion des électrodes. Oui. On va voir la dérivation à vert. Les ondes sont négatives. Les complexes sont négatifs. Alors, quand on dit complexe, pas que le QRS, même un peu. Je PEQRS, dis les complexes, PEQRS. pas des QRS, les complexes. Les Oui. complexes, oui, Oui. mais Mais professeur, les ondes P ici ne sont pas bien visibles. très très bien. Je ne vois pas d'onde P sur le tracé. Alors Oui. maintenant, quand tu n'as pas de critères, je ne peux pas éliminer. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'il faut que l'onde P soit positive en D1. Mais Oui. si je ne trouve pas d'onde P à analyser, je ne peux dire ni qu'elle est positive ni qu'elle est négative. Négatif, oui. D'accord? D'accord. Très bien. Dans ce cas-là, je fais attention à quoi tout simplement? Je n'ai pas d'onde P. Je vais vérifier, comparer le tracé, la dérivation 1 et V6. La D1 et V6, ça le compare là. Oui, ils sont différents. Elles sont assez différentes. Donc, je Oui. fais quoi? Je vais vérifier mes électrodes. Voilà, je vais vérifier visuellement mes électrodes parce que là, j'ai un problème de reconnaissance de l'onde P. D'accord. Et on verra tout à l'heure que c'est une ACF, tout à l'heure, dans une demi-heure. C'est bon? Merci, Oustad Lahm Allez, Walidine. Fatima, et mes bonjours à toi et à tes Merci. familles. Merci. Ça me fait plaisir de t'avoir entendu. Merci. À très bientôt. Allez, un troisième volontaire. Allez.
Allez-y. C'est facile, on raisonne ensemble, pas de souci. Allez-y. Professeur? Oui. Qui est avec moi? Moi, professeur Tarek. Je m'appelle Tarek. Tarek, tu te présentes? Je m'appelle Tarek, je suis étudiant en cinquième année médecine ici à la faculté de médecine de Tanger. De quelle fac? Tanger. Tanger. Vas-y, Tarek, allez, tu vas avancer sur le sujet suivant. Allez, est-ce qu'elle est valide? Je peux dire que non, professeur. Pourquoi? Professeur, Tu pour vas avoir parce que tu n'as pas le... respecté les critères Non, pour... systématiques, tu vas te. Allez, est-ce qu'elle est valide? Je vois pas de vitesse ni de... Comment tu sais que tu ne vas pas de vitesse? Il fallait juste bien voir. Regarde juste un peu à ta droite. Tu sais, les ECG ne sont pas tous jolis. Vous allez trouver des... Ça, c'est... Je vous mets des ECG de la vraie vie. Parce que vous Ah, il a attendez été masqué, des ça a été trop masqué, jolis. professeur, par une Tu as fenêtre. vu à ta droite, Tarek? Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Je viens C'est de voir. bon? Donc, la vitesse et le voltage, ils sont bien réglés. Très, très bien. On est bien d'accord, Tarek, oui. Est-ce qu'elle est parasitée le tracé? Non. Je ne vois pas de parasitage. Est-ce qu'il y a une inversion du fil? Donc à AVR, professeur, il y a des ondes positives. Tu es sûr? Quelles ondes? Tarek? Professeur, pour dire qu'une onde positive ou bien négative, donc on doit voir le PR, non? L'espace PR. Non. Est-ce que les ondes que vous voyez, est-ce qu'on arrive à les identifier? On ne peut pas savoir si c'est des ondes P ou T ou autre chose. Est-ce qu'on peut être sûr de quelle onde il s'agit? Non, pas Non. vraiment. D'accord. Tout ce que je peux être sûr, c'est que j'ai un QRS. Oui. Est-ce qu'elle est négative? Oui. Elle est négative. Donc, j'ai des QRS négatifs et j'ai quelques ondulations que je n'arrive pas à expliquer. D'accord? Oui. Donc, quand je n'arrive pas à expliquer des choses, pour le moment, j'oublie. Je n'ai pas de critères, j'oublie. Et je vais peut-être chercher les autres critères. Retenez-le. Vous avez un critère, vous l'analysez, vous l'interprétez, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas le critère, ce n'est pas grave. Passez au next, passez à autre chose, OK? L'astuce, Tarek, c'était quoi? C'était AVR négatif et P positif en D1 pour les dérivations en Mais à franc-comté. condition d'avoir une onde P. Oui. D'accord. Est-ce que tu es sûr que tu as des ondes P sur cet ECG-là? On verra tout de suite, même dans une petite demi-heure, que l'onde P, elle doit être évidente. Il ne faut pas hésiter un seul instant. Si vous commencez à vous dire si c'est une onde P, pas une onde P, ça veut dire que ce n'est pas une onde P. On va voir tout à l'heure que sur le tracé que vous voyez, c'est un flûteur. On verra tout à l'heure, doucement. Maintenant, c'est juste la validité. Est-ce que tu penses que cet ECG, on peut l'interpréter? Oui, je dirais oui. Je dirais oui, mais après une dernière vérification, laquelle? La poussée harmonieuse. Écoutez, pour ceux qui disent non, ce n'est pas parce que je n'ai pas vu l'onde de P que je dois déjà dire c'est bon, c'est un ECG à ne pas faire. Non, je ne vois d'onde P, ben, et alors? Je continue mon interprétation. Maintenant, si j'ai l'onde P qui est négative en D1, là, c'est sûr que ce n'est pas bon. D'accord? Alors, le D1 et le V6, c'est une petite ressemblance. Il ne faut pas qu'ils soient vraiment la même tracée. Il ne faut pas qu'ils soient vraiment divergents. C'est ça l'astuce de la ressemblance. J'ai dit, ils se ressemblent. Ils sont pas, c'est pas le même tracé. Ils se ressemblent un peu. Est-ce que vous pouvez me dire sur ce tracé-là, Tarek, si le R progresse harmonieusement entre V1 et V6? Allez, vas-y, Tarek.
Tariq, tu es là? Non, oui, je suis Tariq, là. tu es là? Oui, professeur. Tariq, Il n'y Smail, a pas. écoute-moi. Le R en V1, c'est combien de millimètres? Je vois pas bien. 3, peut-être 2. 2, 3, allez, 3, tu as raison. 3, je suis là, le somme, d'accord? Tu notes ça chez toi. Le R en V1, c'est 3 mm. Vous le notez tous d'ailleurs. Le R en V2, c'est combien? C'est 7. 7. Le R en V3. À 5, 5. peut-être 4. Vous notez tout ça, vous notez. Vous notez transversalement. Je sais pourquoi. Le R en V4, combien? C'est 3, ou bien 3. 3, oui. Le R en V5. Non, pas 10, on va dire 9. 9. 9. 9, on est bien d'accord. Le R en V6, c'est combien? Et 20. Oh, pas 20. Allez, 17, 18. 17, 18. OK. De première vue, on peut dire que l'axe du cœur est juste de première vue. Probablement, c'est plutôt à. Gauche. C'est plutôt à gauche. C'est juste, je pense, parce qu'il faut confirmer. On verra tout à l'heure comment on confirme. C'est juste de première vue, à gauche. Est-ce que tu penses que cette aire-là progresse harmonieusement? Non. Pourquoi? Parce que Ça monte les on deux, a plusieurs pics, par exemple. On a. puis ça monte et ça monte. Oui. OK? Nous pouvons raisonner doublement. Je peux me dire qu'il y a deux sommets, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et dans ce cas, ma synthèse, c'est quoi? Il y a pas, il y a une inversion. Une Il y a une inversion. Très bien, inversion. pareil. Bravo, bravo. Une inversion. Je peux me dire aussi que le problème, c'est en V3 et V4. C'est que le R en V3 et V4, qu'est-ce qu'il a? Tarek, si tu avais sauté le V3 et V4, est-ce qu'il y aura une progression harmonieuse? Non. Les amis, vous, si nous avions sauté le V3 et V4, est-ce qu'il y aura une progression harmonieuse? Oui. Donc probablement, il se peut qu'il y a aussi le souci en V3, V4. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez dire par sauter. Supposons qu'il n'y avait pas le V3 et V4. Ah, Supposons qu'il n'y avait pas le V3, V4. De V1, V2, ça progresse harmonieusement. On est bien d'accord s'il n'y avait pas V3 et V4. oui. On est bien d'accord, les amis. Oui, professeur. D'accord. Ça veut dire probablement le R dans cette zone-là, V3, V4, il est comment? Je rappelle, je reprécise. Tu as l'impression que le V3 et le V4, le R n'est pas bon. Tu es d'accord? Oui. Ça ne monte pas. Il y a deux façons, deux raisonnements à faire. Soit qu'on a inversé les électrodes, soit au contraire que les électrodes ne sont pas inversées. C'est le cœur dans cette région-là qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a un rabotage dans cette région-là, le V3 et V4, qui correspond à quelle région, si tu as bien suivi hier? Entéro-apical. Antéro-apical. Ça se peut que cet impatient n'a pas d'inversion de phi et probablement c'est un rabotage dans cette zone-là. Pour faire la part des choses, que faut-il faire? Les amis, pour faire la part des choses, est-ce que c'est les électrodes qui sont inversées ou c'est un rabotage en apical? Pourquoi je refais le CG? Il faut juste. Qu'est-ce que tu fais tout à l'heure pour vérifier si c'est l'inversion ou une ischémie apicale? Avant d'arriver même à l'écoqueur.
juste visuellement, vous voyez, est-ce que les électrodes, est-ce qu'ils sont bien? Professeur, le pic, non, il ne doit pas être en V6, non? Le pic, le plus grand. Est-ce qu'il en fait V6? Pourquoi? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir le pic en V4? Je ne sais pas, professeur. Bien sûr que non, tout dépend. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si j'ai un pic vers V5, V6, c'est plutôt gauche. Si j'ai un pic précoce, c'est plutôt droit. Si j'ai un pic au milieu, V3, V4, c'est plutôt normal. C'est bon? Oui, c'est compris, c'est compris, professeur. Est-ce que dans le chat, vous m'avez bien compris cette histoire de V3, V4? Ça peut être deux choses. Soit qu'on a inversé les fils, soit qu'il y a un rapportage du R en V3, V4. Est-ce que vous l'avez bien compris? Et regardez, si vous avez fait bien attention, dès ce stade-là, on commence déjà à avoir quelques raisonnements diagnostiques, avant même de rentrer dans le vif. Déjà. Si on est bien systématique, d'emblée, vous pouvez avoir quelques indices. Vous pouvez avoir quelques orientations sur ce passé. Oui, Nana, mais suivez, ça me dérange de revenir sur des données que nous avons vues. Vraiment. Parce que ça ralentit tout le monde. Donc, suivez l'atelier, concentrez-vous. Et je pense que je suis très, très lent. Donc, il n'y a aucune raison pour ne pas suivre. Allez, un quatrième volontaire. Oui, professeur, bonjour. Oui, c'est toi, c'est qui? Youssef Lazrak. Youssef Lazrak. Youssef. Youssef. Présente-toi. Youssef Azraq, je suis médecin rien matin. Très bien, Youssef. Moi, je te connais, mais les personnes ne te connaissent pas. Vas-y, Youssef. Est-ce que ce tracé est valide? Alors, si on voit le repère... Bon, vitesse, pour la vitesse et le voltage. Donc, pour le repère, il est à gauche. Il n'est pas bien visible. Donc... C'est bon, c'est un bon repère, à Youssef. D'accord. Pas de souci. D'accord. Oui. Sur D3. Oui. Alors, est-ce qu'il est parasité? Non, il n'est pas parasité. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une inversion de cils? On va regarder AVR. On a des complexes qui sont négatifs. Oui. Est-ce qu'ils sont inversés? On a une ressemblance entre D1 et V6. Oui, une assez... pas mal de... Vous avez vu maintenant, ça c'est une bonne ressemblance, c'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes hauteurs, mais c'est les mêmes tendances. Est-ce que vous avez compris? C'est les mêmes tendances. Ça monte, il n'y a pas beaucoup de divergence entre D1 et V6. J'insiste sur cet élément-là, parce que j'ai l'impression que le message n'est pas... Quand je dis ressemblance, ce n'est pas une ressemblance à 100%. C'est juste, c'est les mêmes tendances. Non, non, je vois que tout est négatif en AVR. Non, il n'est pas absent. Voici, l'onde B, elle est positive. D'accord? Alors, quoi d'autre, Youssef? Donc, sur en frontal, regarde, le P, elle est positive en D1. Je vous ai dit aussi en D2 et en V6. Il y a aussi les complexes qui sont négatifs en AVR. Il te reste quoi, Youssef? Voir la progression harmonieuse, est-ce qu'elle est là ou pas pour, dans les... Alors, en V1, on a combien de millimètres, le R? 5, 4, 5. Combien? 4, 5 millimètres. 5, très bien. En V2? 6, 6, 7. 6, allez. En V3? 11, 12. 12, allez. En V4? 12 aussi. Là, en V3, c'est plus, c'est Youssef, c'est 13. D'accord. Et en V4, c'est 12. Oui. En V5? 8, 9. 8, 9. Et en V6? 7. Est-ce que nous avons une bonne progression chez ce patient? Oui. Il est harmonieux. Oui. Et notre sommet, il est où? V3 et V4. Donc, V3. Donc, probablement, c'est un acte qui serait... normal. C'est un acte qui serait normal. Est-ce que c'est un ECG que je peux valider? Oui,
Très bien. Donc, c'est un sujet, c'est un essai qui est valide et on verra tout à l'heure qu'est-ce que là c'est essai. Allez, un tout dernier volontaire pour le dernier exercice. Allez-y. Bravo, Youssef. Bravo. Bonjour, professeur. Oui, Bonjour. présentez-vous. Je suis Khadija, FMPO, quatrième année. Enchantée, Oujda. Allez, Khadija, c'est à toi. Enchantée. Vas-y. Est-ce que cet ECG, Khadija, il te semble valide? Premièrement, on va regarder la vitesse. Oui. Je pense que oui, c'est bien. Donc la vitesse est bonne, oui. Le Oui. voltage. On a 5 mm. Très bien. Donc, oui. Est-ce qu'elle est parasitée ce tracé, Khadija? Apparemment, non. Non, n'est pas. En tout cas, tous les tracés de cet atelier ne sont pas parasites. Comme ça, vous êtes tranquille. Est-ce que tu penses qu'il y a une inversion de fil en frontal? On va regarder la VR. Je Descends-moi pense la que VR. tous les complexes sont négatifs. Pardon. Pardon, vas-y. Elles sont négatives, oui. On va regarder le D1, comparer le D1 avec le V6. Si tu veux, elles se ressemblent quand même, chouïa, un peu. Oui. C'est la même Il y a une tendance, très bien. ressemblance. Qu'est-ce qu'il te Oui. reste? Est-ce que tu as vérifié la présence d'onde de P en D1? Ah, regarde, une petite onde de P ici. Est-ce qu'elle est positive? Tu as vu une petite mouchure ici? C'est l'onde de P. Est-ce qu'elle est Oui. positive? Est-ce qu'elle est aussi positive en D2? Il est positif en D2. Très bien. Est-ce qu'elle est positive ici en D6? Oui? Vous pouvez répéter votre question? J'ai pas entendu. Je parle de l'onde de P. Parce L'onde qu'en P? frontal, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que les AVR soient négatives, que l'onde de P soit Oui. positive en D1, en D2, V6. Est-ce que c'est le cas? D2, l'onde P est positive. En D1, apparemment, oui, il est positif. Et en V6, oui, il est positif, l'onde P. Alors, avec le temps, ceux qui n'arrivent pas à avoir le P, avec le temps, vous allez. Ça, c'est très important. Ça, c'est un. Regarde. Essayez de voir le plus de sujets possible. Parce qu'avec le temps, même le visuel vous apprend le normal. C'est comme D'accord. cette histoire de scanner cérébraux. Quand vous voyez beaucoup, vous arrivez à voir le normal et détecter rapidement la norme. D'accord. D'accord? Non, ça, c'est la transition entre les dérivations. Non, il n'y a pas de transition. C'est la transition entre les dérivations. D'accord? Non, je vais décider un Oui. truc. Je ne reviens pas aux anciennes données. Comme ça, sinon, ça ne va pas être possible. Soit que vous suivez, soit que vous ne suivez pas. Pour la dernière fois, j'ai bien dit, quand il y a un critère, je le maintiens. Quand il n'y a pas de critère, ça n'invalide pas. Et je ne reviens plus aux anciennes notions. Allez, est-ce qu'il y a une bonne progression de l'onde R? Adija. En V1, c'est presque 3. V2, V3, c'est à V2. peu près 12. 12. Oui, V3. Je ne vois pas de complexe QRS en Il n'y a V3. rien en V3. Très bien. On ne voit rien. Oui. En V4. En V4, c'est à peu près, on peut dire 10, 9, 9, Oui, 10. en V5. 7. En V6. 6. Alors, oublie le V3. Est-ce qu'il y a une progression harmonieuse? Est-ce que nous avons une progression, Non. les amis? Oui, bien sûr que oui. Se passant tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Facile. Quel est le Oh. diagnostic? On ne peut pas juger de l'ischémie sur une seule dérivation. Un truc très simple. C'est l'électrode qui n'est pas. Khadija, l'électrode en V3, il n'a pas été Oui, bien. oui. On ne voit Détecté. rien en V3. Donc, c'est une Bien électrode en V3. placé, bien placé. Tout simplement.
C'est une électrode qui n'est pas bien placée, ce qu'on ne voit rien ici. D'accord? Oui. Pourquoi on n'a pas dit que c'est un rabotage, blabla et tout? Parce que chaque fois que vous parlez d'un événement ischémique, il faut toujours... Adija, pourquoi je n'ai pas dit que le oui. problème en V3, qu'il y a une ischémie sur V3? Je peux vous dire que c'est un on rabotage. On n'a pas de complexité. Non, je pouvais dire qu'il y a un problème ici sur le R. Mais toujours, rappelle-toi, quand tu veux analyser une anomalie, toujours il te faut deux dérivations côte à côte. D'accord? Oui. Qui est la dérivation copine de V3? C'est V4. La copine intime de V3, c'est V4. On voit bien, en V4, oui. ça passe bien. Donc, le problème, oui. c'est la V3 qui a été décollée. Ça marche? Oui. Merci, voilà. professeur. Bravo, Alec. Et bonjour toute la communauté de WIT. Merci. Est-ce que c'est clair, le Very VIP? Qu'est-ce que vous avez compris déjà à ce stade-là? En étant pragmatique, étape par étape. Peut-être au départ, ça va vous demander beaucoup de temps. Mais avec le temps, là, ça devient facile. On a pris beaucoup de temps pour Very VIP, mais dans la vraie vie, là, ça ne prend même pas 30 secondes. Mais c'est très important d'être systématique. Parce que d'emblée, on arrive déjà à avoir des diagnostics dès cette étape-là, avant même d'arriver aux autres. Autre chose, le réflexe, s'il vous plaît. Quand vous faites le CG à un patient, laissez les électrodes sur le patient. Jusqu'à quoi? Jusqu'à vérifier le C. D'accord? S'il vous plaît. C'est un réflexe. Parce que ce que vous faites, dès que le papier sort, on commence à décoller les électrodes. Non. Laissez les électrodes sur le patient jusqu'à obtenir la validation. Comme ça, je peux changer, je peux me rattraper. Est-ce que c'est clair? Est-ce que le Very VIP est acquis? Yes? Yes, Hamdou. Maintenant, on va passer et je vais partager encore mon écran de tablette. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des vrais ECG sur eux? Est-ce que vous avez des ECG sur vous? Sur vous-même? Est-ce que vous pouvez déjà commencer à vérifier la validité? Allez, maintenant même. Allez, je vous donne 10 à 15 secondes. Allez, vous me dites juste valide ou non valide. Vas-y, user, tu vérifies les 15 ECG avec validation. Tu peux me les prendre en photo? Mais Camille, normaux, bah, tant mieux. Tu es sûr qu'ils sont normaux? D'accord. Alors, en médecine, on ne dit jamais d'un examen complémentaire normal. Qu'est-ce qu'on doit dire? Il n'y a pas d'anomalie. Retenez ça. Je ne dis jamais d'un examen normal. Parce que si j'ai fait un examen, c'est pour chercher des anomalies. Je dis toujours pas d'anomalie. Pédagogiquement correct, on dit pas d'anomalie. C'est bon? C'est bon, les amis? Allez, maintenant, on va passer à la deuxième étape. C'est l'interprétation générale. Qu'est-ce qu'on a dit de l'interprétation générale? Qu'est-ce qu'on va partir chercher? Ce sont des choses qui ne changent pas entre. Les différentes dérivations. Ce sont des choses qui ne changent pas entre les différentes dérivations. Et ça commence par quoi? Première des choses que je vois d'emblée. Avant la fréquence cardiaque,
Je vois, voilà, je vois le rythme, s'il vous plaît. Quand je prends le papier, je vois d'abord est-ce que c'est régulier ou pas. C'est très important pour la suite des choses. Alors, comment je peux vérifier est-ce que le rythme est régulier ou pas? Il faut que les espaces RR soient réguliers. Il faut que les espaces RR soient réguliers. C'est clair? Alors, comment on peut faire? Avec une réglette ou avec des marqueurs, pour trouver la solution, il faut trouver la bonne méthode. Je vais vous montrer sur une photo. Il y a deux manières. Pour le faire. Alors, vous pouvez prendre un marqueur avec un crayon, deux marqueurs sur en fait, une marque ici, et vous avancez avec le papier pour voir si c'est la même chose. Sinon, si vous avez le compas, voilà. Vous mettez la pointe sur un R, le crayon sur l'autre R, et vous faites tourner. Pour être sûr si c'est la même distance. Pourquoi c'est important de vérifier la régularité? Pourquoi c'est important? Alors déjà, à part la fréquence cardiaque, en général, quand on a un patient avec des arythmies, c'est toujours pas bon, on va dire. C'est mieux d'avoir un rythme, c'est-à-dire une régularité. Quand on a une arythmie, ce n'est pas bon en général, il faut chercher qu'est-ce qui se passe. D'accord? Quelqu'un qui a une arythmie, ce n'est pas normal. Il faut chercher qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, s'il vient pour un symptôme, il faut le croire. Il a un problème, se passe. Très bien. Le deuxième critère après le rythme, c'est quoi? Dans le général. Alors, les amis, pourquoi le rythme il rentre dans l'interprétation générale? Rappelez-moi. Pourquoi le rythme rentre dans l'interprétation générale? Très bien. On ne peut pas avoir un rythme régulier en V1 et irrégulier en D6. Ça ne peut pas. Est-ce que vous avez compris, man? Ça s'enregistre au même moment. C'est juste l'impression qui est différente. C'est bon? C'est bon? C'est bon, les amis, pour le rythme. Et c'est facile. Le deuxième, c'est la fréquence cardiaque. Il n'y a pas plus facile que ça. Je sais que vous connaissez tous la méthode. C'est quoi? Donc, je prends le nombre de grands carreaux. OK. Entre deux espaces. Alors, supposons ce patient, je dessine que les R. Supposons, et là, trois grands carreaux. D'accord? La fréquence cardiaque chez ce patient, c'est combien? Chez ce patient, c'est 300 sur 3 est égal à 100. D'accord?
Donc, la méthode, c'est quoi? C'est 300 sur le nombre de grand K. D'accord? Alors, ça, c'est dans le cas où le rythme était. Ça, c'est dans le cas où le rythme était régulier. Alors, pour répondre à l'une des questions, regardez ce tracé-là avec un rythme irrégulier. Je ne dessine que le R, d'accord? Exprès. Comment vous trouvez ce rythme-là? Il est irrégulier. Il est irrégulier. Dans le cas d'un rythme irrégulier, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre trois intervalles RR. Alors, faites comme moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On prend 900 et on va multiplier par le nombre de grands carreaux dans trois intervalles. C'est combien chez ce patient, la fréquence cardiaque? C'est encore 100. Et ainsi de suite. D'accord? Quand le rythme est régulier, je me contente d'un seul intervalle. Quand le rythme n'est pas régulier, je ne peux pas vous faire comprendre plus que ça. Quand le rythme n'est pas régulier, je prends trois intervalles. Ben, c'est comme ça. Au lieu de faire 300 chacun, ça va être 300 plus 300, c'est 900. D'accord? Pourquoi 300? Il va falloir vous expliquer les mathématiques là. C'est écrit dans mon livre. Tout à l'heure, je vais faire un screen de raisonnement et tout. C'est bon? Je répète. Calculez-moi la fréquence cardiaque qui se passe. J'ai dit que c'est un calcul mathématique. Pourquoi vous voulez vous poser la question, vous insistez sur le 300? Si vous êtes fort en maths, je vous le dis. Il faut juste, si vous ne comprenez pas le 900, vous allez comprendre le 300? Allez, calculez-moi. Chez ce patient-là, la fréquence cardiaque. Combien de KO? C'est bon? C'est bon? Alors, pour les personnes, les mathématiciens parmi vous, pourquoi 300? Chose que je trouve vraiment hors sujet, mais bon, c'est pas grave. Prenons un rythme régulier. Je ne sais vraiment à quoi ça va vous intéresser, mais bon, on le fait. Prenons un rythme régulier.
Dans cet intervalle-là, vous avez un nombre x de grand K. C'est bon? Vous avez un nombre x. OK? On reste, je vois, on ne va pas rester sur 0,5, disons environ. Donc, la durée de ce cycle-là, un sous-cycle, c'est combien en secondes? Un cycle, c'est combien en secondes? Puisqu'il y a x grand carreau. Non, oubliez ça. Vous avez x grand carreau. C'est combien le cycle? Donc, un cycle, c'est x fois 0,20 secondes. C'est clair? Je vous jure, sur 15 ans, je suis en train d'expliquer ça pour la première fois. Mais bon, parce que vous le demandez. Un cycle, c'est x fois 0,20 secondes. Très bien. C'est quoi la fréquence cardiaque? C'est le nombre de fois où ce cycle arrive par minute. Donc, c'est 60 secondes. D'accord? En divisant 60 par 0,20, vous allez trouver 300. Tout simple. Et j'arrête la discussion là-dessus parce que c'est vraiment hors sujet. Mais pour les curieux parmi vous, vous avez compris l'horizon. C'est bon? En cas de trouble du rythme, vous n'allez pas vous fier à ce qui est affiché, il faut toujours interpréter. Il n'y a pas plus pire que cette interprétation automatique qui vous a vraiment fait encore incruster la phobie. Ça, c'est pas bon. Le médecin, il interprète. Il peut checker son interprétation de l'appareil. Mais il n'y a pas pire que cette interprétation automatique. Si j'étais à la place des constructeurs, je l'aurais supprimé. Très bien. Donc nous avons vu quoi dans l'interprétation générale? Le rythme, la fréquence. Quel est le troisième élément maintenant? On va voir maintenant, est-ce que le rythme est sinusal? D'accord. Sinusal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tempo, il est imposé par le nœud sinusal. Tempo imposé par le nœud sinusal. Donc tout vient du nœud sinusal. Et là, on va voir tous ensemble à partir de quel moment on parle d'un rythme sinusal. Allez, quels sont les critères? Allez. Avant, le premier critère d'abord. Il faut que l'onde P soit présente. Et pas que présente. Elle est présente et est normale. D'accord? Très, très bien. Le deuxième critère. Non, Yacine, je suis mal que tu sous l'aide. Depuis tout à l'heure, je vous dis général, c'est la même chose partout. Non, c'est pas bien. Soit que vous venez au milieu de l'atelier, soit que vous m'entendez pas. Est-ce que j'étais bien clair? Tout ce qu'on voit maintenant, c'est valable pour toutes les dérivations. Je ne peux pas être plus clair que ça. Est-ce que c'est bien clair? Quand on dit interprétation générale, c'est valable pour toutes les dérivations. Est-ce que je l'ai dit? Est-ce que vous l'avez bien compris et saisi? Quand même, ne posez pas des questions maintenant qui sont illogiques.
que je ne cesse pas de répéter. Si vous arrivez au milieu de l'atelier, ce n'est pas bon de ralentir les autres. Donc, suivez. Et les informations, on va les répéter au fur et à mesure. Ça me gêne de trouver des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Parce que ma mission, c'est de répondre à toutes vos questions. Mais qu'elles soient dans la progression de l'atelier. À partir de maintenant, s'il y a des questions qui sont posées sur des choses que nous avons vues, je ne vais plus répondre pour respecter la progression pédagogique. Allez, deuxième critère. Chaque P est suivi d'un QRS. Un autre critère, c'est chaque QRS est précédé d'une onde P. Bon, il y a d'autres critères, mais je pense que ce sont les principaux critères. C'est bon? Il y a d'autres critères, j'ai dit, mais dans l'interprétation rapide, concentrez-vous sur ces trois éléments. Regardez maintenant. Je vais dessiner que les P et les R et vous me dites si c'est sinusal ou pas. Est-ce que ce rythme est sinusal? Je ne dessine que le P et le R. Est-ce que c'est sinusal? Oui, on a des ondes de P. Voilà. Ils sont suivis par du QRS et chaque QRS est précédé par une onde P. C'est bon? Regardez ce rythme-là. Est-ce qu'il y a des ondes P? Est-ce qu'il y a des ondes P? On jette le partage. Allez, est-ce qu'il y a des ondes P? Je branche mon ordinateur. Est-ce que tous les QRS sont précédés d'ondes P? Très bien. Est-ce que tous les ondes P sont suivis de QRS? Non. Donc, ces ondes P, par exemple, celle-là, est-ce qu'elle est suivie? Il n'y a rien derrière. C'est bloqué. Celle-là, c'est bloqué. Celle-là, c'est bloqué. Donc, nous avons déjà notre diagnostic à ce stade-là. On sait que, par exemple, c'est un BAV deuxième degré. Et on verra tout à l'heure. Regardez ce rythme-là. Est-ce que vous avez des ondes P? Oui ou non? Oui, elles sont là. Est-ce que toutes les ondes P sont suivies de QRS? Oui ou non? Est-ce que toutes les QRS sont précédées d'ondes P? Celui-là, il vient de nulle part, on ne sait pas pourquoi. C'est probablement une extrasystole. Ça marche? Ça marche? Donc, par zeta, je n'atteins pas toutes ces hauteurs. Par zeta, c'était très petit. C'est bon pour le rythme sinusal? Très bien. Il nous reste un dernier paramètre de l'interprétation générale. La même chose de sinusal, c'est de l'interprétation générale. On peut faire sinusal en D2 et non sinusal en V5. C'est impossible. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est l'axe du cœur. L'axe du cœur,
Alors écoutez, l'axe du cœur, on va commencer simple. Et après, vous dire, on va développer par la suite. L'axe du cœur, dans un premier temps, je vais vous dire que l'axe du cœur, en général, il est entre 0 et, juste dans un premier temps, 90 degrés. C'est l'axe normal. Ça vous rappelle quelle dérivation? Le 0 et le 90. Ça vous rappelle le D1 et AVR. Alors, ce que vous allez faire, vous allez dessiner avec moi d'abord le D1. D1. Et AVR. Dessinez comme moi. Donc, 0, 90. Vous l'avez dessiné? Vous l'avez dessiné. Je prends un premier cœur dont le vecteur principal est orienté comme ça. Ça, c'est le cœur numéro 1. Supposons que je suis la caméra, c'est moi la caméra D1. Je suis placé ici. Est-ce que ce cœur-là vient vers moi ou il me fuit? Je suis placé en D1. C'est un chauffeur. Il vient vers moi, d'accord? Pour être sûr qu'il vient vers moi, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire une projection du vecteur lumière comme ça, juste dans ma tête. Et je vois, est-ce qu'il est de mon côté? Donc, à votre avis, les QRS ici, ils seront comment en D1? Positif ou négatif parce qu'il vient vers moi? Ils seront positifs. Très, très bien. Et comment ils seront les vecteurs, le QRS, pardon, les complexes en AVF aussi? Est-ce qu'ils viennent vers moi? Je suis là, ma caméra est ici. Est-ce que j'ai l'impression que qui vient vers moi. Comment je vais le vérifier? Faisons la projection. D'accord? Maintenant, l'amplitude que vous voyez sur le tracé, c'est ça. L'amplitude du QRS, c'est ça, en D1. Et l'amplitude 2, on avait, c'est ça. C'est presque quoi? Entre ça et ça, c'est presque la même chose. Donc, les complexes, ils vont être plus amples en D1 ou en AVF? Presque les mêmes. Pourquoi? Parce que l'axe du cœur, elle est... Pourquoi c'est le problème? Parce que l'axe du cœur, elle est au milieu. Elle est presque à 45 degrés. Prenons ce cœur-là. Comment seront les campés en D1, positif ou négatif? Le cœur 2. Positif. En AVF. Positif. Très bien. Sauf que les complexes vont être plus amples en AVF qu'en D1. Les complexes vont être plus amples en AVF qu'en... Vous avez compris? Mais est-ce qu'il est normal, l'axe? Elle est normale. C'est ça le plus important. Prenons ce cœur-là. Vous devez deviner, ça va être quoi? Alors, comment sont les complexes en D1? Allez-y, maintenant rapidement. Positif. On avait positif, sauf que... Sauf que les complexes en D1 vont être positifs.
En fait, plus on se rapproche, le vecteur se rapproche d'une dérivation, plus ça va être ample. C'est bon? C'est bon? Très, très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Quand est-ce que je peux dire que l'axe du cœur est normal? Non, sur le CI. Quand les complexes sont positifs en D1 et AVF. Est-ce que c'est clair? Tout ça, c'est normal, dans un premier temps. C'est clair? Alors écoutez, vous avez un patient qui a des complexes D1 négatifs et des complexes en AVF positifs. J'ai dit bien D1 négatif, AVF positif. On est dans quel cadran? En bas à gauche. Donc c'est ici. Donc on est dans quelle déviation axiale? Trois. Donc, comment on va savoir que l'axe est droit? Quand quoi? Comment on va savoir que l'axe est droit? L'AVF est positive, le D1 est négatif. L'AVF est positive, le D1 est négatif. C'est bon? Jusqu'à maintenant, c'est clair. Parce qu'il y a des petites nuances à la fin. Vous avez quelqu'un qui a un situs inversus. Son cœur, il va être orienté où? Pas qu'à droite, mais complètement à droite. Et comment vont être les complexes à votre avis? Donc les deux ou un des deux? Les deux négatifs. Très très bien. Ça va être ici. On dit hyper droit. C'est bon? Alors j'ai laissé la gauche en dernier pour une raison. Alors la gauche de premier abord, qu'est-ce qu'on va avoir? Comment vont être les complexes, le gauche? Comment vont être les complexes à gauche quand l'axe est gauche? Le D1 est positif, l'AVF est négatif. C'est bon? Sauf que le problème, je vous ai dit au départ, est-ce que d'abord vous avez compris cette histoire de cadran? Regardez, quand vous prenez un ECG, fermez juste un peu les yeux. Et dessine devant vos yeux le cadran, faites comme ça, tac, 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 que vous allez vous trouver. Et je vous ai dit au départ qu'on va commencer simple, 0,90. Le problème, c'est quoi? Quel est le problème? Pourquoi j'ai laissé la gauche en dernier? Parce qu'en fait, l'axe du cœur simple, ce n'est pas de 0 à 90. Ça peut aller jusqu'à quoi? Jusqu'à moins 30. Très, très bien. Voilà. Ça peut aller jusqu'à moins 30. Alors, tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est normal, d'accord?
Ilham, j'ai l'impression que tu ne m'entends pas bien. Est-ce que j'ai parlé d'AVR? Est-ce qu'à aucun moment j'ai parlé d'AVR dans ce cadre? Je ne pense pas que vous puissiez avoir plus clair que ça. Allah Al. Est-ce que vous pensez que je parle difficilement, sincèrement? Est-ce qu'à aucun moment j'ai parlé d'AVR maintenant? Jamais. J'y vais tout doucement que vous puissiez comprendre. Il faut juste suivre. Très bien. Allez, le gauche. Le gauche, on a un problème. Lequel, les amis? Je vous donne un exemple. Je suis, par exemple, ici. J'ai un cœur qui est orienté ici. Si nous avions utilisé l'histoire des cadrans, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Si j'avais utilisé que les cadrans, tout court, je vais dire que le D1 est positif et la VF est négative et je vais conclure à quoi? Elle est à gauche. Et pourtant, elle est normale. Alors, dites-moi la solution dans ce cas-là. On aura besoin d'une autre dérivation. Laquelle? C'est la D2. Pourquoi c'est la D2 exactement? Pourquoi c'est la D2 que je vais utiliser? Parce qu'elle est. Allez, pourquoi c'est la D2? Parce qu'elle est. Je vous explique. Parce qu'elle est. Pourquoi c'est la D2? Ah, mais je vous mets le truc. Parce qu'elle est perpendiculaire à cette dérivation. Alors, je vais dessiner la D2. OK? Ce cœur-là, bon, ici c'est perpendiculaire, d'accord? Ce cœur-là, il sera comment en D2? Positif en D2? Positif. Donc l'axe, il est toujours, même s'il est ici, je peux considérer que l'axe est normal. D'accord? Regardez la différence. Prenons cet axe-là. Un patient, il a un vecteur principal ici. Oublions la D2. Ils seront comment les complexes en D1? Positif. Et on avait négatif. Je dois dire quand même, c'est un axe gauche. Est-ce que je peux être sûr? Ça peut être normal aussi. Vous avez compris? Ça peut être normal. Ou non? Dans cette situation, je vais utiliser une autre dérivation, laquelle c'est la D2. Dans ce cas-là, comment va être les complexes en D2? Faites-le. Ils vont être négatifs. C'est de l'autre sens. Et dans ce cas, je peux dire fièrement que c'est un. C'est un axe gauche. OK? Je vais répéter tout ça au propre. Que vous puissiez assimiler. Je sais qu'il y a un peu d'embrouillage, mais on va répéter. Il n'y a pas de problème. Quand je sens que ce n'est pas encore bien clair, là, je le répète. Mais chez moi, parce que le cœur est comme ça. Allez, quelles sont les deux premières dérivations que nous allons utiliser d'emblée? La D1
La VF. D1 et AV. D'accord? D1 positif. AVF positif. C'est un axe obligatoirement. Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce qu'il y a un doute? Non. Et je check. C'est bon? Non. J'ai un D1 négatif, un AVF positif. C'est quel axe? Droit. Est-ce que j'ai un doute? Est-ce que j'ai un doute? Non. Très bien. J'ai les deux négatifs. D1 négatif, AVF négatif. C'est quel axe? Hyper droit. Est-ce que j'ai un doute? Non. J'ai un D1 positif et un AVF négatif. C'est quel axe? C'est un axe gauche ou normal. Est-ce que c'est clair? Très bien. Dans ce cas-là, je vais rajouter l'analyse d'une troisième dérivation. Si D2 est négatif, c'est un axe gauche. Si D2 est positif, c'est normal. Donc, je vais rajouter là D2 pour tranche. Donc, ici, c'est quoi? C'est normal ou gauche? C'est toujours normal. Ici, c'est gauche. Donc, tout ça, c'est normal. Est-ce que c'est clair? Plus que clair que ça, je peux pas. J'ai la table. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet axe-là? Depuis tout à l'heure qu'on se creuse les méninges. Et après? C'est quoi cette histoire d'axe? En quoi ça va nous intéresser? Parce que c'est le plus important, c'est d'en tirer profit. Quand on dit un axe droit, c'est comme les élections. C'est soit que le cœur droit est comment? Est devenu un axe droit. C'est quoi le cœur droit est devenu? Hypertrophie, dilatée fort, soit soit c'est l'autre côté qui est devenu faible. Vous avez compris? Un bloc de branche, etc. Est-ce que vous avez compris? C'est soit moi qui suis devenu fort, dilaté, hypertrophie, je ne sais pas quoi, soit que c'est l'autre qui est devenu faible. Et du coup, je commence à être dominant. OK? Dans une structure d'urgence, vous avez un axe droit. Un patient qui ne va pas bien, un peu gêné sur le plan respiratoire. Il faut penser à quoi rapidement? Il vient pour une dyspnée. Sur le CG, vous trouvez un axe droit. Vous pensez entre autres à une embolie pulmonaire. Déjà à ce stade-là, on commence à avoir quelques diagnostics et je vais partir chercher les autres signes, etc. etc.
Ça ne veut pas dire qu'on va traiter l'embolie pulmonaire sur le CG. C'est juste des idées de raison. Vous avez quelqu'un qui vient pour un axe gauche, il est toujours gêné. Il gêne ce plan respiratoire. L'embolie pulmonaire, ça bloque la circulation pulmonaire. Ça va donner une HTAP qui va donner par la suite une hypertrophie, dilatation du cœur droit. Et du coup, l'axe va devenir droit. Vous avez quelqu'un qui fait un axe gauche. Il est gêné sur le plan. Je sais que ça nous va, mais vous pensez à quoi? Le RM serré, est-ce qu'il va te donner un axe gauche dès le départ? Idem inférieur. Oui. Probablement, c'est un patient qui fait une HVG sur, par exemple, un rétrécissement aortique. Très bien. Un pic hypertensif. Très, très bien. On a déjà une idée. Même si le patient ne vous dit qu'il n'a aucun antécédent, probablement, c'est un OAP surpoussé hypertensif. Parce que le cœur, quand il va pousser contre l'hypertension, il va devenir hypertrophique et il va tourner. L'axe, il va devenir gauche. Alors, ce qui est important, quand on dit une hypertrophie sur un axe, ça reste électrique. Le diagnostic de l'hypertrophie, c'est quoi? Le diagnostic effectif de l'hypertrophie, ça reste toujours échocardiographique. Il faut vraiment mesurer l'épaisseur du cœur. Je peux évoquer sur le CG, mais confirmé sur les coques. C'est bon pour les axes et tout? C'est bon pour lui? C'est bon? Plus on est hypertrophié, plus on est dilaté. Quand on est dilaté, il y a de la masse musculaire qui est divisée. C'est normal que l'axe va tourner avec. Alors maintenant, ce qu'on va faire, écoutez, toujours les astuces. Quelle était la première astuce que nous avons vue dans l'interprétation générale, dans la validité? C'est VRI, VIP. Rappelez-la moi. Vitesse, voltage, inversion des fils, parasitage, d'accord? Alors, pour l'interprétation générale, il y a une autre astuce, c'est la star. Vous êtes les stars de cet atelier. Alors, le S pour... si le rythme était sinusal ou pas. D'accord? Le T. Le T, c'est le tempo. Le tempo de la musique, c'est quoi? C'est la fréquence cardiaque. Le A, c'est quoi? C'est l'axe. Le R, c'est quoi? C'est le rythme. C'est bon? Je ne peux pas que vous puissiez trouver plus facile que ça. Il faut juste respecter les astuces et vous allez vous en retrouver. Je vous jure, vos premiers ECG, si vous interprétez comme ça, ça va vous prendre une dizaine de minutes. Mais avec le temps, ça va vous prendre même pas 45 secondes. Parce qu'on commence à avoir des automatismes. Tac, 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 tac. Est-ce que vous allez me promettre que vous allez commencer déjà à interpréter dès demain? Ça, c'est très important pour moi. Il faut. Jurez-le. Il faut le jurer. Bon, d'accord. Déjà, si je maîtrise le VDVIP et la star, le reste aussi très facile. Non, mais il ne faut pas le faire, il faut le faire.
Si vous êtes dans vos cabinets, dans vos structures hospitalières, dans vos CHU, allez, faites sortir les ECG et on les interprète. Ce n'est qu'un papier, je le dis, je le redis, je le redis. Ce n'est qu'un papier. Ça marche? Je vais faire sortir les exercices. Deux secondes. Très bien, mes exercices sont là. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va faire quatre parts. On va faire l'exercice maintenant, on s'arrête. Demain, on fait l'interprétation spécifique de 19 à 21h. Et mardi, on fera les cas simulés. Ça vous va? Comme ça, vous n'aurez pas beaucoup d'infos à la fois. C'est le challenge de l'année, c'est bon? Donc, on en fera en quatre parties. Ça nous fera 2h30 dans chaque part et ça nous fera 10 heures. À partir de ces 10 heures, si vous n'interprétez pas le sujet, je vous tue, tout simplement. Ça fait? J'oublie toujours qu'il y a des... Donc, on ne va pas vouloir faire cet effort pour rien. D'accord? Non, non, c'est 19h. Allez, on va faire les exercices. Oui, lundi et mardi à 19h, Inch'Allah. Il y en a un volontaire qui va me faire cette fois-ci et le VIP et la star. N'interprète pas, juste la variété. Allez, un volontaire. Allez-y. Les amis. Bonjour, monsieur. Oui. Je t'entends très loin. Je suis étudiante en cinquième année, J'ai compris au même que tu es de Fès, mais je t'entends très mal. Donc, si tu peux soit te rapprocher de ton micro, comme ça on peut discuter ensemble. Alors, tu vas me faire le Very VIP et la star. Allez, vas-y. Donc, en ce qui concerne le poltage, tout est bien. Est-ce que c'est un problème chez moi? Est-ce que vous arrivez à l'entendre bien, mes amis? Oh, même, je suis désolé, on va devoir passer à quelqu'un d'autre. Je suis vraiment, 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 vraiment désolé. Désolé. Est-ce qu'il y a un autre volontaire? Allez. Je suis désolé, oh, même. Si elle ne joue pas sur l'écran. Allez, un autre volontaire, allez. Bonjour, professeur. Bonjour. Fatem Zahra Kherbi, 5e année FMPR. Enchanté, Fatem Zahra, vas-y. Merci, professeur. Donc, pour le Very VIP, la vitesse et le voltage, c'est bon, c'est déjà marqué. Très bien, bravo. Et tu les as vus, c'est une très bonne chose. Là, par contre, ils sont écrits. Très bonne chose, oui. Donc, pour le parasitage, il n'y a pas de parasitage. Oui, et pour, pour le IP, donc pour l'inversion des fils, oui. L'AVR, en AVR, c'est négatif. C'est négatif, oui. Oui. Et si on compare en D, l'onde D1, l'onde P est positive aussi. Oui. Et si on compare D1 et V6, à peu près, c'est le même aspect. C'est la même tendance. Fatem Zaria. Oui. Fatem Zaria, est-ce que tu arrives à avoir des ondes P? En D1? Oui. Bien. Non. Alors, je vais te dire déjà. Si j'hésite, donc il n'y a pas d'onde. Voilà, exact. Le geste d'être est très important. Ça veut dire que tu hésites, ça veut dire que c'est pas ça.
D'accord. Est-ce qu'il y a une inversion sur les précordiales? D'accord, on va voir la progression de l'onde R en V1, 2, en V1 c'est à peu près 2, 3, en V2 c'est 10 ou 11, en V3 c'est, je dirais, c'est 15, en V4, je pense pas, il y a une progression harmonieuse. Alors, en V1 c'est combien? C'est 2, 3. Allez, on va dire 2, ok? En V2. En V2, c'est 10? 11, je veux dire. Et ben, ça commence de bas. 11, ok? D'accord. En V3. 1, 2, 3. C'est 16? Alors, c'est 16 au conditionnel. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange ici, Fatemza? Qu'est-ce qui t'a dérange? C'est l'un de... Ils sont... Sont chevauchés. Ils sont chevauchés. Non, il ne faut pas avoir honte de le dire. Oui, très très bien. Ils sont chevauchés. Et là, ça dérange. Oui. Non? Ça te dérange. Oui. En quoi ça te dérange, Fatem Zara? De voir l'amplitude. De voir l'amplitude, exact. Est-ce qu'on peut être sûr de nos calculs? Pas vraiment. Pas vraiment. Qu'est-ce que tu proposes chez quelqu'un qui a un chevauchement des axes? Là, c'est ça. Oui, ça a été écrit sur le chat, allez. Non, Houda, je ne suis pas d'accord. On garde les électrodes, mais par contre, Fatemza, qu'est-ce que tu peux faire pour les rendre un peu plus petits? Diminuer le voltage. La texte, bravo. C'est diminuer le voltage. D'accord. Mais tu n'oublies pas ça dans les calculs, parce que quand tu diminues le voltage, c'est 5 mm pour 1 millivolt. Exactement, oui. Je suis très fier de toi. Bravo, Fatemza. Bravo pour ton courage, bravo. Et mes bonjours à Rabat. D'accord, merci. Allez, un deuxième volontaire. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est Mouad Zekini de la quatrième année de la FMPR. Vas-y, Mouad. Donc, tu vas attaquer le deuxième ECG. Tu me fais et le VRIVIP et la STA. D'accord. Pour la vitesse, elle est correcte. Pour l'amplitude, elle est bonne. On a 10 mm pour 1 millivolt. Oui. On a des complexes qui sont négatifs en AVR. Oui, très bien. Avec un D1 qui est positif, avec un onde pique, un onde pique qui est positif en D1, en oui. D2 et en V6. Oui. Je ne vois pas de parasitage. Oui, Kauta, tu as raison, on va y arriver. Oui. Vas-y, moi. Pour la progression de l'onde R dans les dérivations péricordiales, l'onde R est à environ 3 mm en V1. Oui. 8 mm en V2. Oui. Environ 10 en V3. Là, en V2, on va dire 8 quand même. Oui. En V3, combien, Mouad? 10. 10. En V4. En V4, c'est environ 11, 12 comme ça. Oui. En V5. En V5, c'est 10. La plus. 11. En fait, ça commence d'ici. C'est plus. Ah, c'est... On est à 12, 13. 12, 13. Et V6, 11, 12. 11, 12, ouais. Le sommet, c'est où, Mouad? Hmm? Le sommet, c'est où? Le sommet, c'est en... En V5. En V5, ouais. On peut probablement, on n'est pas sûr, mais probablement... Oui. T'as un max qui est gauche. Probablement. Donc, est-ce qu'il est valide? Pour la validité, oui, il est valide. Donc, ton VRIVIP, c'est bon. Maintenant, on passe à la STA. Vas-y. Est-ce qu'il est régulier ton ECG? Oui, c'est bon. De préférence, ne posez pas de questions pendant que j'interprète avec les volontaires et après, vous pouvez répondre. Comme ça, mes comptes les interprètes. Vas-y, moi. Je pense qu'il est régulier. Avec une fréquence à environ 55-60. Ouais. Pourquoi tu dis que c'est régulier? Parce qu'on a un intervalle RF qui est constant. Tu l'as constaté où? De vue. D2. Sur quelle dérivation? La bande longue D2. Là, tu as dit quoi? La bande longue D2. Excellent, ouais, bravo. Il faut le voir sur la bande longue.
parce que ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Pour dire que c'est régulier, il me faut, notez-le s'il vous plaît, il me faut 3 intervalles de suite réguliers. Mouad, ici, on a combien d'intervalles dans les dérivations normales, dans les bandes normales? On n'a que 2. J'ai un intervalle ici et un autre 2. Ici. On n'a que 2. Et après, je passe aux autres. Écoutez, il ne faut pas passer, il ne faut pas calculer 1, 2, 3, parce que ça, c'est la même chose. D'accord? Où on va partir le voir? Ici, vers le bas, sur les bandes longues. Ici, on a combien d'intervalles, Mouad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'il se régule? Est-ce qu'il s'est régulé? Mouad? Mouad? On a perdu Mouad. Les amis sur le chat. Ah oui, oui, ils sont réguliers. C'est régulier? Oui. Mouad, tu es là? Oui, oui. Bah, je t'entends pas, il faut rester, reste concentré. Est-ce que c'est régulier? Oui, c'est régulier, monsieur. Super. Après la régularité, je vérifie quoi? La fréquence. Alors, tu as combien de grands carreaux dans un seul intervalle? Environ 5. La 300 ou la 900? Environ 5. On va utiliser la méthode de 300. Parce qu'on va utiliser la 300. Pourquoi? Parce qu'on a un rythme qui est régulier. Super. Tu as combien de grands carreaux maintenant? Environ 5. Environ 5. D'accord? Très, très bien. Donc, environ 60. Ça fait 60 de fréquence gardée. On n'est pas un grand. C'est en gros. Tu on peut arrondir, on n'est pas vraiment un chiffre de moins de près. Donc, c'est combien, Mouad? C'est environ 60. C'est entre 50 et 60. Okay. Environ. Environ. D'accord? Écoute, Mouad, tu n'as pas l'impression sur le dernier intervalle que c'est un peu plus court, juste un petit chouïa? Oui, je pense que ce sont des arythmies respiratoires. C'est exactement ça. On a l'impression que c'est un peu plus court et ça reprend. C'est physiologiquement, avec la respiration, la fréquence cardiaque peut baisser et monte. Ça s'appelle justement, Mouad, tu l'as si bien dit, les arythmies respiratoires. Donc, est-ce que j'ai un rythme régulier? Oui. Est-ce que j'ai une fréquence cardiaque anormale? Non, elle n'est pas normale. Anormale. Elle est normale. Est-ce que ma fréquence cardiaque est anormale? Non, non, non. Non. Très, très bien. Troisième critère de la STAR, c'est quoi? L'axe. Avant l'axe. Sinusal, est-ce que le sinusal? Est-ce que le sinusal? Quels sont les critères du sinusal, Mouad? Une onde P qui est présente. Est-ce qu'elle est présente? Oui, elle est présente. Tu l'as vu où? Je l'ai vu en D2. Bravo, allez. Alors écoutez l'astuce maintenant. L'onde P, et ça on va le voir demain, l'onde P, elle est souvent bien visible en D2 et en V5. Souvent. D'accord? Donc, ton premier critère est rempli. Est-ce que tous les ondes P que tu vois sont suivies de QRS? C'est oui. 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 Est-ce que tous les QRS que tu vois sont précédés d'ondes P? Oui, avec un PR qui est constant et un PP qui est constant également. Donc, le rythme sinusal. Donc, le rythme sinusal. C'est pour cette raison que certains cardiologues mettent dans le compte rendu RSR. Ça veut dire quoi? RSR, ça veut dire quoi? What? Rythme régulier sinusal. Ton dernier truc à faire maintenant, c'est quoi? C'est l'axe. L'axe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer par quoi? Voir le complexe QRS, est-ce qu'il est positif ou négatif en T1? Quand il est positif en T1, on a. Il est positif en T1, d'accord. Oui. On avait. Également positif en AVF. Tu es sûr qu'il est positif en AVF? Il est un peu ésoélectrique. Il n'est pas un peu, il est carrément. Il est un peu. Regarde le QRS. Ce que tu vois, c'est quoi? Ça, c'est un souci de décalage par rapport à la ligne. Bien, j'oublie. Ça, ce n'est pas le QRS. Ce n'est pas positif. Ça, c'est du souci de décalage. C'est ça le QRS. Tu le vois? QRS. Tu vois ma souris, Mouad? Oui. Mouad, tu vois ma souris? Oui, oui. C'est ça le QRS. Donc, est-ce qu'elle est négative ou positive? Négatif. Négatif, voilà. Donc, de premier abord, je vais dire quoi? Je vais dire que
Soit c'est gauche, soit c'est normal. Il faut voir des deux. De premier abord, je dis, selon les cadrans, D1 positif à verbe négatif, c'est gauche. C'est gauche, oui. Preuve de? Preuve du contraire. Très bien. Donc, je vais partir chercher quoi maintenant? D2. La D2. La D2, elle est comment, Mourad? Ah, il est positif. Très, très bien. Est-ce que finalement, l'axe est gauche? Non, c'est un axe qui est normal entre 0 et moins 30. Entre 0 et? Moins 30. Si tu peux être encore plus précis? Pratiquement, il s'annule sur AVF. Pratiquement. AVF, il est perpo, il est 0. Et 0. Tu veux donner? Combien on va lui donner comme axe? 0. Non, pas carrément 0. Allez, moins 5, on va dire. Moins 5. À peu près moins 5, d'accord? Mm-hmm. On s'en fiche de tout ça. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est qu'il n'est pas divisé. D'accord? Tu as compris, moi? Oui, parfait. Et c'est une très jolie interprétation. Bravo. Bravo. Ouais. Allez, un troisième volontaire. Allez. Un troisième volontaire, les amis. Allez-y. Oh, c'est facile, je vous accompagne. C'est maintenant ou jamais. Allez-y, il ne faut pas. Allez, en vain, la phobie. Bye bye, allez. Vous ne voulez pas? C'est tellement compliqué. Donc, Marc avec voilà. Je ne vous ai rien enseigné. Un volontaire. Bonjour. Personne? Ça fait on arrête? Bonjour. On arrête? Assalamu alaikum, bon appétit, bye bye. Et tant pis. Bonjour, professeur. Ah, bonjour. Alors, présente-toi. C'est Yusra de la FMPC 5e année. Vas-y, Yusra. Very VIP. Et donc, alors, pour la validité, le voltage et la vitesse sont bons. Oui. Pour l'inversion des fils, donc il n'y a pas de parasitage, un tout petit parasitage. Quand même, il y a pas mal de parasites. C'est assez parasité quand même. Oui, mais ça ne m'empêche pas d'interpréter. Oui. Donc, pour l'inversion des fils sur les dérivations frontales, AVR, les trois complexes sont négatifs. Oui. Donc, il n'y a pas d'inversion au niveau des dérivations frontales. Pour les dérivations horizontales, Tu n'as pas cherché d'autres critères, Yusra? Pour les dérivations frontales? Oui. Donc, AVR, l'an de P? Oui. Oui, ma fille, vas-y. Donc, l'an de P est positif en D2. Oui. Très bien. Et on a un semblant de ressemblance entre quoi et quoi? Il n'y a pas de ressemblance entre V6 et D1. Quand même, c'est la même tendance. Mm-hmm. Il n'y a pas de divergence. D'accord. Il me semble que ce point-là... Parce que les complexes sont positifs. Regrettez de V6 et D1. La ressemblance, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est les mêmes tendances. Par exemple... Si c'est positif en QRS, c'est positif en QRS en V6. Si c'est positif en T en D1, c'est la même chose. Est-ce qu'on m'avait bien compris? C'est les mêmes tendances. Ce n'est pas exactement le même tracé, c'est impossible. Ce sont les mêmes tendances. Est-ce que c'est clair? Oui, professeur. Est-ce qu'on a la même tendance à Yusra ici, entre D1 et V6? Oui, je dirais oui. Les mêmes tendances, très très. Alors, est-ce qu'on a une inversion en précordial? Non, donc on a une progression harmonieuse de l'onde de R. Tu penses? Donc elle fait environ 2 petits carreaux en V1. Au niveau de V2 et V3, il n'y a pas de progression. Très très bien. Donc, tu vois qu'entre V1 et V3, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rabotage. Voilà, exactement, bravo.
Donc, probablement, ce patient, il a eu quoi dans les antécédents? Donc, une ischémie, un idème, donc, ce sont des séquelles d'idème anciens, ou bien une ischémie silencieuse. Juste des évocations. Dans quel territoire éventuellement il y a eu cela? Donc, c'est le... Non, c'est l'antérieur. Quel antérieur exactement? Quelle partie dans le territoire antérieur? Donc, c'est entre l'apical et le septal. Ça prend la V2 et la V3. C'est entre les deux. Donc on dit, mais disons plutôt antéroseptal, d'accord? Antéroseptal. Très, très. Donc, est-ce qu'il est valide? Est-ce qu'on peut l'interpréter, cet ECG? Oui, on peut l'interpréter. On peut l'interpréter. Bravo. C'est bien. Il faut prendre position et on peut l'interpréter. Bravo, Alic. Maintenant, tu passes à la STAR, l'interprétation générale. Donc, pour la régularité du rythme, donc, on cherche les intervalles RR au niveau de la bande longue. Très bien. Elle est là. Alors, juste pour que tu aies, quand on dit bande longue, c'est une bande que vous choisissez sur l'appareil. Et l'appareil vous la fait sortir en totalité, pas comme les autres bandes. Les autres bandes, ils vous le donnent sur quelques parties. Vas-y, Yusra, allez. Est-ce qu'il est régulier? Yusra? Yeah, oui, Yusra. Professeur, je suis en train de compter. En gros, il chauffe. Hein. Oui, c'est régulier. Ne soyez pas trop, c'est-à-dire c'est pas un 2 mm de près. En gros, si c'est régulier, là, ça se voit. Si c'est irrégulier, est-ce que c'est régulier, juste comme ça, visuellement? Oui, c'est régulier. Oui, oui. Non, Yusra, tu choisis ce que tu veux. Mais en général, chez un patient normal, on choisit soit la D2, soit la V5. C'est azurelet. Donc, c'est régulier, Yusra. C'est ça, Yusra? Oui. J'oublie toujours. Oui. Encore une fois. Yusra, c'est régulier. Très bien. Est-ce que tu peux me donner la fréquence cardiaque de ce patient? On va utiliser la 300 ou la 900? Non, la 300, parce que c'est régulier. Donc, c'est 300 donc, sur environ de, des fréquences cardiaques. Non. 300 sur 8, sur 7 et demi. Presque 300 sur, presque, sur 7 et demi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 7 et 8, d'accord? Donc, environ 40, on va dire? Environ? 40. Environ. 40, 42, comme ça. C'est bon. On va dire 40, OK? Oui. Très bien. À ce stade-là, déjà, Yusra. Ah, mon patient, est-ce qu'il est normal? Il est lent, il est bradicard. Il est bradicard. Il est bradicard, à la ligne. Bradicard. Quels sont les trucs que nous avons vus hier qui ont tendance à bradicardiser? Ce sont les troubles de la conduction supraventriculaire. De la conduction. Supraventricule. Très, très bien. Je garde ça dans ma tête. Par exemple, un bloc sino-atrial. Par exemple, oui. Je garde ça dans ma tête. Pourquoi? Parce que quand je vais arriver à l'interprétation spécifique, je ferai attention à quoi? À l'espace PR et en fait à l'entrée. À bien analyser ces deux éléments-là que je veux. Tu as compris? Oui. Mon patient, il est bradicard, d'accord? Oui, professeur. Mon patient est bradicard. Oui, je vous entends. Est-ce que c'est normal? Oui, il est bradicard. Est-ce que c'est non, normal? Non, c'est pas normal. À 40, c'est pas bon, à moins qu'il soit un super méga géant sportif. Donc, hier, on avait dit que quelques troubles, ils ont tendance à bradicardiser. Donc, moi, quand on fera demain la spécifique, et dans la vraie vie, je dois faire attention à détecter les troubles de la conduite. Ça marche? Je crois ça. Très bien. Alors, est-ce qu'elle est sinusale? Oui, il est sinusale. Tu es sûr? Non, il n'est pas sinusale. Il y a des ondes P qui ne sont pas suivies du complexe QRS. Bravo, allez. Tu les as vues? Ah oui. Cette onde P, est-ce qu'elle donne? Est-ce qu'elle suit? Oui, elle donne un cœur. T, ce P-là? Ne donne pas. Celui-là? Oui, elle donne un cœur. Celui-là?
Non. L'autre ne donne. Donc, c'est une onde P qui est régulièrement bloquée. On verra demain, par exemple, c'est un BAV mobitude. Donc, est-ce qu'il est sinusal? Non, il n'est pas sinusal. Qu'est-ce qu'il te reste dans la star? Donc, il reste l'axe. Alors, est-ce que l'axe chez cette patiente est normal? Oui, il est normal. Rapide. Pourquoi tu dis qu'il est normal? Parce que les complexes sont positifs en D1 et AVN. Excellent, bravo. T'as vu, c'était très simple. C'est bien, c'est bon, Yusra, t'as bien saisi? Oui, professeur. Si tu suis les différentes étapes, tu ne trouveras aucun problème. Alors maintenant, merci pour ta question, Selma. Quand vous dites, par exemple, quand je vous dis est-ce que les complexes sont positifs en AVF en D1, qu'est-ce que je fais? Je vois est-ce qu'il y a plus de positivité que de négativité. D'accord? Ici, par exemple, en AVF, on a un petit truc chouïa en négatif, mais on va considérer que c'est positif. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de positivité que de négativité. Vous avez compris? Pour dire d'un complexe positif ou négatif, je vois qu'est-ce qui est le plus prédominant. Est-ce que c'est positif ou négatif? D'accord? Alors aujourd'hui, Youssef, on n'est pas dans l'interprétation, c'est juste des évocations. Restez chez VIP et la star. Allez. Un quatrième volontaire, allez. Bonjour. Nawal. Une onde P bloquée, je l'ai dit centaines de fois, c'est une onde P qui n'est pas suivie de QRS. Alors, qui se présente? Bonjour, c'est Ibellam, deuxième année de l'UN6. Comment? Deuxième année de l'UN6. Tu t'appelles comment? Ibellam. Hiba? Ibellam. Hiba, tu es en deuxième année? Oui. Bakallah Ali. Vas-y, ouais, je t'encourage. Allez. Allez, je commence par la VIP. La vitesse et le voltage sont bons. Comment tu sais qu'ils sont bons? Non. En fait, on n'a pas le carreau. On a le carreau, oui. Par contre, à droite. Il est où le carreau? Le repère. Je dis le repère. Le repère, il est à droite. Il est à droite. Très bien. Quoi d'autre? Il y a en quelque sorte un parasitage. Il n'y a pas de parasitage, oui. Pour l'inversion des fils, on voit si AVR, elle est négative. Oui. Oui, elle est négative. Oui, ils sont négatifs, oui. Et pour les dérivations péricordiales, l'onde P. Non, tu as oublié quelque chose en frontal. Pour l'onde P. Oui. Est-ce que tu arrives à voir une onde P quelque part? Non. Non, donc j'oublie. Et j'utilise l'astuce, c'est quoi? Cette histoire d'allure, de ressemblance. Ah, pour la V1 et V6. Entre D1, pas V1 V6, D1. Entre D1 et D6. Non, Hiba, entre D1 et V6. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que c'est la même tendance, la même allure? Non. Quand même. Bon, ça va, je pense. Non, vous pensez? Je pense que... Grosse... Ah, regarde, V6 ici. En quelque sorte, oui. Bon, quand même, ça, c'est la même tendance, la même allure, OK? Très bien. Le R, allez. Alors, pour le R, il est en V1, en V2, on a presque... Est-ce que j'ai un R ici? Non. Il est nul, zéro. C'est ici le R, ça c'est QS. Le R ici, c'est combien? Il est presque nul. Presque nul, même pas un millimètre. Ici. Même, c'est presque nul encore. Ici. À peu près un millimètre, même pas. Très bien. Ici, ça commence à... Ici, ça commence à marquer, c'est à peu près 3. Ça commence à monter. Donc oui. Déjà, on a quoi? Un rabotage. Très bien. Très, très. Mais est-ce que c'est inversé? Non. Non. Est-ce que ton ECG est valide pour qu'il soit interprété? Oui, il est valide. Très bien. Maintenant, tu passes à la première partie de l'interprétation. La deuxième partie de l'interprétation, c'est l'interprétation générale. Oui. Alors, tu commences par quoi?
Je commence par se voir RR est régulier. Très bien. Sur quelle partie de l'ECG? Je le vois sur... En bas, la bande longue. Sur la bande. Bon appétit, chérie. Bon appétit, Camilou. Bon appétit, Camilou. Allez. Sur la bande longue, on voit sur... on voit... J'ai pris les yeux. On a faim à cause d'elle. Allez, Hiba, continue. Est-ce que c'est régulier en bande longue? Oui, c'est... sur la bande longue, oui, c'est régulier. C'est régulier, je suis d'accord avec toi. On a les mêmes intervalles RR, c'est bon? Oui, exactement. Vas-y. Ensuite, je vois le rythme. Avant le rythme. On a vu, est-ce qu'il est régulier, Hiba? Oui, il est régulier. Donc, juste après la régularité, je choisis quoi de... Allez, revenons à notre concentration. Arrêtez de rigoler. Allez. Après le rythme régulier, il y a quoi? Je vois la fréquence. Très bien. Tu vas utiliser la 300 ou la 900? Je vois la 300. Très bien. Parce que c'est régulier. Oui. Tu as combien de gants, Caron, maintenant? Deux. Non. Deux et quatre. Je pense un peu plus, Hiba. Regarde. C'est 3. C'est 3. Donc, ta fréquence cardiaque, elle est à combien? À 100, c'est 300 sur 3. Très bien. Est-ce que c'est sinusal? Oui, c'est sinusal. Non, Hiba. Ah non, parce qu'il n'y a pas, pas chaque QRS est suivi de... Avant même. Parce que le premier critère n'est pas validé de la sinusalité. C'est quoi? Chaque P est suivi de QRS. Comment? Il n'y a pas d'onde P. Voilà, bravo. Est-ce que tu arrives à voir une onde P, honnêtement? Non, pas possible. C'est impossible de voir une onde P chez ça. C'est bon? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste l'axe. L'axe. Alors, est-ce que tu arrives à voir un axe? Il faut qu'on voit si D1 et AVF sont positifs. Alors, en D1, il est comment? Elle est positive. Non. Ce que tu vois là, c'est quoi? C'est un sus décalage. Non. Ça, ce que tu vois là, oui, c'est l'onde de T. Ah, d'accord. D'accord. Et ça, c'est le QRS. Il est comment le QRS ici? Il est négatif. Négatif, d'accord. Et on a VF, il est un peu positif. Oui. D'accord? De toute façon, n'ayez pas peur de ça, on verra tout ça demain. Alors, tu as un D1 négatif et un AVF positif. Tu dis, c'est quoi? Le droit. Comment? Je dis que l'axe, il est droit. Tu as un D1 négatif, il y en avait posé, donc c'est un axe qui est droit. Donc, probablement, il est droit. D'accord? Alors, je te dis d'emblée, c'est un patient qui est proche de la mort. Pourquoi? Alors, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors, Iba, demain, tu sauras que ce patient-là, il a une hyperkaliémie majeure. Regarde ces entités qui sont amples. Est-ce que tu vois là, ici, c'est un QRS. Est-ce qu'elle est fin, ce QRS? Non. Elle est large. Oui. Donc probablement, il est en train de faire quoi, Hiba? Un QRS large? Un bloc. Oui, oui. Un trouble de conduction en intra-ventriculaire. Un bloc de voix. Un trouble de conduction intra-ventriculaire. On verra ça demain. Et je vous le dis d'emblée. Donc, c'est un patient chez qui il faut faire vraiment vite, 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 vite pour le sauver. Très bien. Mais déjà, à ton stade, tu as fait très, très bien le VIP. Tu as bien travaillé la star. Et pour quelqu'un de deuxième année, chapeau bas. Bravo. Très, très bien, Hip. Bravo, Hip. Il y a là un dernier volontaire. Allez. Bonjour, professeur. Bonjour. C'est Soumaya de l'IFMPR. Vas-y, Soumaya. Tout d'abord, on va voir le very VIP. Pour le voltage et la vitesse, on va voir le repère à gauche. C'est normal. On a
une bonne vitesse et un bon voltage. Pour le parasitage, un léger parasitage. En fait, ce n'est pas un parasitage, vas-y. Pour après, on va voir l'inversion des électrodes. Oui. Pour, on va voir l'onde P. Oui. Elle est positive. Elle n'est pas visible au niveau de D1. On va voir après l'AVR. Elle est négative. Le complexe AVR est négatif au niveau de l'AVR. On va voir après l'aspect de V1 et V6. Il est semblable. D1. Ah, en D1 et V6, il est ressemblable. Mmh. Et l'évolution entre V1 et V6, elle doit être harmonieuse. On a à peu près 1 mm au niveau de V1. Mmh. Au niveau de V2, c'est à peu près 6. Mm-hmm. V3, c'est 5. Mm-hmm. V4, c'est à peu près 8. Oui. Pour V5, c'est 10. Et pour V6, c'est à peu près 9. Très bien. Donc C'est harmonieux, on a un seul pic, c'est au niveau de V5. Très, très bien. Donc, est-ce que tu peux l'interpréter? Oui, pour l'interprétation générale, on a un rythme qui est régulier. Est-ce qu'il est valide d'abord, pardon, Soumaïa? Oui, il est valide. Il est valide. Maintenant, tu passes à l'interprétation générale. Pour le rythme, il est régulier. Après le rythme, on va voir la fréquence. On va prendre 300 parce que le rythme est régulier. Du coup, 300 divisé par le nombre de grands carreaux, ça nous fait 1, 2. C'est à peu près 2,5. Du coup, 300 divisé. Pas 2, je dirais 2. 2. Donc, ça fait 150. C'est bien, 150. C'est une tachycardie. D'accord. Et cette notion, j'en fais quoi? La tachycardie. Oui, je garde dans ma tête. Je vais devoir trouver pourquoi elle est tachycardique, d'accord? D'accord. Oui. Après, pour le rythme sinus, on va voir s'il est sinusal. On a chaque QRS. Pour les ondes P, on a des ondes P, mais c'est plusieurs. Dès que tu dis mais, c'est bon. Il n'y a pas d'onde. Tu as compris? Cette hésitation, elle est capitale. Ce n'est pas des ondes P. Il faut être sûr que c'est une onde P. Non, ouais. Ce ne sont pas des ondes P. Oui. Ce ne sont pas des ondes P, donc le rythme n'est pas sinusal. Ça nous a facilité la tâche, ce n'est pas sinusal, oui. Et après, pour l'axe, on va voir en D1, on a un complexe qui est positif et en AVF, c'est également positif, donc l'axe, il est en place. Très bien. À ce stade-là, tu conclus à quoi? C'est un patient? Un patient qui a une tachycardie avec un rythme non sinusal. Excellent, excellent. Voilà. C'est une tachycardie non sinusale et on verra par la suite c'est quoi. D'accord? D'accord. On verra par la suite c'est quoi. D'accord. Ça marche? Oui, on n'est pas aujourd'hui au stade de l'interprétation, donc je ne vais pas répondre aux ceux qui posent des diagnostics sur le chat. C'est bon? On rajoute un tout dernier exemple avant de finir. Allez, un dernier volontaire. Allez. Allez. Bonjour. 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 Professeur Nadjis, 6e année de la FLPO. Oui, Nadjis, vas-y. Je commence avec les verrivés VIP. Mon repère, on a un bon repère. Oui. De suite, je vais voir si les fils sont inversés. Donc, comment? Je vais voir si les fils sont inversés. Oui. Donc, sur AVR, on a les complexes qui sont négatifs. Oui. Pour l'onde P, elle est positive en P2. Non, on n'arrive pas à voir l'onde P. Oui.
Il n'y a aucune onde P. Oui, on n'arrive pas à distinguer l'onde P. Oui. Maintenant, on va voir si la progression de l'onde R est harmonieuse. Très bien, bravo, vas-y. De V1, V6. Alors, sur l'onde, la V1, la dérivation de V1, on a une onde R qui fait à peu près 3 mm. Oui. Sur V2, elle est à 7 mm. Oui. Sur V3, elle est à 9. 9, oui, voilà. Oui. Sur V4, je dirais... je dirais 18 mm. 18. La V5, elle est à 20. Oui. 20, oui, voilà, 20. Et pour la V6, elle est à 15. Donc, c'est harmonieux, c'est ça? Exactement, on a une progression. J'ai l'impression que... Harmonieuse. On a l'impression que... Que j'ai une onde R qui stagne entre V2 et V3. Non, non, pas vraiment. Le sommet, il est où? Il est à V5. Il est à V5. Ça retourne un peu... On a l'impression. On va vérifier par ça, mais ce n'est pas juste une impression, d'accord? D'accord. Très, très bien. Donc, est-ce qu'il est valide? Ou c'est le parasitage, on ne voit pas de parasitage, donc oui, il est valide à être interprété. Donc, je peux l'interpréter, d'accord? Je vais entamer l'interprétation générale. Oui. Je commence par voir le rythme sur la bande longue. Mm-hmm. Est-ce que c'est régulier? On arrive à distinguer un rythme régulier, oui. Oui, c'est régulier, c'est sûr, oui. Donc, juste après, j'entends pas quoi? Après la régularité? Je vais voir ma fréquence cardiaque. En 300 sur le... Moi, j'ai calculé, c'est 10 gants, Caro. Oui, voilà, exactement, c'est 10. Donc, 300 sur 10, mon patient présente une bradycardie à 30. C'est bon tout ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Pardon, Nagis. Je sais pas les gens qui parlent de V2. Qu'est-ce que la V2? C'est un R qui est tout à fait normal, qui progresse. Je sais pas quel est le problème de V2. Je n'ai pas compris. Oui, mais j'ai dit, on évoque. On n'est pas sûr, on évoque. C'est une belle écart de sommet en V2. Et lui, le sommet en V2, où tu l'as vu, Imen? J'aimerais juste comprendre comment tu vois un sommet en V2. Voilà, j'ai un V2 à 5 mm, j'ai un V4 ici, ce n'est pas V5. Comment tu peux dire que le sommet en V2, j'ai rien compris. Vous pensez que le sommet chez ce patient en V2? Comment ça marche? Mais c'est clair. Voilà, le V2 à 5. Allez, vas-y, Soumeya. Nagis, pardon. Nagis. Oui, aussi, dans la validité, j'ai oublié de mentionner que la ressemblance entre D1 et D6. Oui, très bien. Un trait de ressemblance, très bien. Alors, Nagis. Oui. Imen, tu parles de ça, ça c'est l'onde de T. Qu'on n'a pas encore vu. Restons dans la progression de l'onde R. Si vous suivez ma progression, vous allez aller loin. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Doucement. C'est un challenge. On prend notre temps. Vas-y, Nagis. Tu disais, tu as un rythme régulier et les bradycardes à combien de fréquences cardiaques? Ou c'est à 30. 30, c'est bon tout ça? Non, pas du tout. C'est pas bon? Non. Oui. Ensuite, je vais voir si les sinusales. Donc, l'onde P, il n'est pas présente. Donc, il n'est pas sinusal. C'est une radicale. L'axe du cœur, il est comment? L'axe du cœur, je vais voir D1.
Oui, positif en D1 et positif en AVF. Donc, c'est un axe normal du cœur. Voilà. Alors, à ce stade-là, quelle est ta conclusion? C'est un patient qui présente une bradycardie non sinusale. Très bien. Est-ce que tu arrives à voir l'onde de P? L'onde de P, non, pas vraiment. Non, je n'arrive pas à la voir. Nazi, tu ne dis pas, il faut être sûr. Non, ce n'est non. Pas. Il n'y a pas d'onde P. Pas d'hésitation, il n'y a pas d'onde P. D'accord? Donc, tu n'as pas d'onde P. Qu'est-ce qui ne marche pas? La télévision ou la télécommande? La télécommande. Très bien. C'est quoi ton diagnostic? Il est lent. Auriculaire. Asbelti, tu as dit quoi, Najus? Un bloc sino-auriculaire. Excellent. Bravo. Excellentissime. Voilà, tu as eu ton diagnostic dès les premières étapes de ton interprétation. C'est une télécommande qui ne marche pas. Donc, c'est un bloc sino-auriculaire complet. Tu n'as pas d'onde de P et tu as un rythme qui est régulé et très lent. Donc, tu n'as pas d'onde de P, le patient est très bradical. De toute façon, on verra ça demain en détail. Merci. Tu as compris pourquoi on a dit un BSA, Najus? Oui, vous êtes. Parce que la télécommande ne marche pas, elle est existante. La télécommande, elle est morte. D'accord, j'ai compris. Très, très bien. Bravo. C'est bon, les amis, ça a été? Voilà, exprès, j'ai pris mon temps. Encore une fois, c'est une fois par année que je le fais de cette façon, c'est 10 heures. Mais qu'on puisse bien assimiler une fois pour toutes les choses. Alors, deux choses pour que vous puissiez toujours retenir. Deux choses très importantes. Un, il faut commencer à interpréter. Et deux, vous savez comment on retient le plus? Comment on retient le plus des choses? En les, plus qu'en les pratiquant. En les, non, en les répétant pas, plus, mieux en les enseignant. Rappelez-vous de ça. On retient plus les choses quand on les enseigne. D'accord? Alors, ce que vous allez faire avec vos amis dans le domaine, mettez-vous à table. Et expliquez-leur le CG quand vous l'avez bien, je pense, su l'apprendre avec moi. Amen. Donc, demain, c'est 19h30. Demain, 19h30 au lieu de 19h. 19h30. Est-ce que c'est clair? Demain, 19h30. On va faire l'interprétation spécifique. C'est là qu'on va rentrer dans les pathologies, l'onde P, la C, blablabla. Et mardi, on va faire les cas de simulation, de télésimulation. Très intéressant. Ça marche? C'est OK? Mardi aussi, 19h. Et transmettez l'info à tout le monde. Ils peuvent aussi apprendre demain. Merci, Emile. Je ne peux pas vous dire combien ça va durer. Je t'ébec. Il n'y a pas mieux que le qraya. Donc, ça dure le temps que ça dure. Quel est le problème? Et? Yala, à demain. Bye bye.